les aventuriers sont allés rendre visite dans la féerie, dans ce plan parallèle, et ils ont rencontré Baran Feyd, le noble seigneur des fées, et qui leur a remis son pendentif, le cristal de source, tout à fait. Et vous venez de repasser par le portail qui vous mène vers ce que les fées appellent le monde terne, le plan matériel, le plan dans lequel vous vivez habituellement. Et vous êtes au centre de ce cimetière des elfes. Et il y a deux choses qui vous frappent. La première, c'est qu'il fait totalement nuit. La deuxième chose, c'est que vous entendez des cris et des hurlements de terreur dans le hameau, puisque, on va le découvrir avec la table, il est sous l'attaque d'une horde de goblinoïdes horribles. Qu'est-ce que vous faites ? Ah oui, le cimetière. Vous êtes ici, là, dans le cimetière des elfes. Oui, c'est nous. Ouais, ouais. Vous êtes là. Et à quelques pas de là, l'action se passe. Il n'y a que deux maisons, mais évidemment, il y en a un petit peu plus. On n'a pas tout représenté, hein, mais voilà. Ouais. Okay. Je vais me lever pour procéder à tout ça. On fonce vers le bruit, j'imagine que... Bah oui, ouais, hein. Moi, je vais même... Moi, je vole vers le bruit. Là, pour le coup, je vais faire un vrai shift. Histoire de d'aller vite. D'accord. Je vous propose de tirer l'initiative. Tout le monde tire donc un des 20 et en ajoutant ça que je voulais shifter. Initiative. Je vais commencer par Sheila. Waouh. 2. Initiative du coup. 2 okay. Au total. Au total. J'ai fait 1 plus 1. Bon, t'as été perturbé par le passage entre les. Peut-être un souvenir de Rafi. J'ai encore ma dent. D'ailleurs, j'ouvre la main. On est d'accord. C'est elle, où, est elle est toujours là. Et elle est par ici. Ici. Ah d'accord, ok. Plus Aoudan. Tout va bien. Alors moi je suis à 17. Du fait, très bien. C'était où l'initiative déjà ? C'est là. Ah oui, pardon. Après, moi je suis à 8. T'as fait 14 ? Non, c'est que j'ai touché sans. Ah d'accord. Non, je suis honnête. Tu es à 8 d'initiative. Je peux peut-être avoir des points pour l'honnêteté. Écoute, t'as déjà de l'inspiration, je peux pas t'en donner deux. Mais tu pourras utiliser ton inspiration. Et enfin, Dawin. 18. 18, très beau. Et bien justement, c'est toi qui va commencer, Dawin, et ensuite ce sera à Aoudan. Ok. Alors... Je t'en prie. Juste une question. Oui, bien sûr. Mon inspiration bardique, est-ce que je dois attendre mon tour c'est pour la faire ? C'est pas mon tour, tout à fait, c'est une action tour. Bonus. Ok, très bien, merci. Ce que je vais faire, on en a un là, on en a un là. Voilà, il y a un archer ici, un archer ici. Ouais. Et ensuite, un peu plus de chaos au centre du village. Je pense que je dois pouvoir atteindre l'archer là, si je ne me trompe pas. J'ai un déplacement accéléré en plus qui doit me permettre d'aller... Il fait combien Alors oui, toi, tu as fait une transformation. Ouais. Il y a des aspects bestiaux et primaux qui sont arrivés sur ton corps, dans ton physique. Et donc, ça te donne une vitesse un peu plus rapide. Tout à fait. D'ailleurs, je gagne 6 points de vie temporaire aussi. Ouais. J'aime les noter. Hop. Oui, puis en tant que moine aussi, je vais plus les vite. Moines vont vite, oui, c'est vrai. Donc, ah oui, 50 feet. 50 feet, donc 10 cases. Est-ce que en 10 cases, j'atteins l'archer ? 7. Il est à 7 cases de toi, donc largement. Eh bien, je fonce directement tu sur l'archer. Fonces, tu fais des grands pas, comme une bête sauvage, légère à la fois. Je saisis ma lance. Tu saisis ta lance. Et je vais enchaîner 2 attaques sur lui. Je t'en prie, vas-y. Première attaque, 19 sur le dé, donc je 19 pense que ça touches. Va passer. Oui, totalement. Je vais la prendre à 2 mains, la lance, du coup. Ouais. Comme ça, je suis à 1 des 8. Tu te saisis de ta lance à 2 mains, et tu vas prendre un grand coup dans ce hobgoblin. Et je lui inflige 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, très bien. Tu le tranches en travers du torse, il pousse un grognement. Son sang verdâtre dégouline, mais il tient encore debout. Et je fais tournoyer la lance pour la faire revenir dans l'autre sens, en fait. Ouais. Avec un deuxième coup. Non, je pense que ça ne touchera Donne-moi pas. Donne-moi le total, parce qu'on verra. Ouais, non, 10. 10 au total. Ouais. Ils sont quand même assez bien protégés. Et donc, ta lance virevolte et t'envoies un deuxième coup pour le transpercer. Et ça ricoche sur ses protections. Et je vais faire un troisième coup en m'appuyant sur la hampe de la lance pour donner un coup de pied en pleine tête. Un coup de pied retourné en t'appuyant sur ta lance. Avec les moines, c'est terrible. Un 15. 15 pour toucher. Eh bien, c'est
pas suffisant, figure-toi. Il est très bien protégé et agile. Ah ouais. Et il se baisse au dernier moment alors que ton pied passe juste au-dessus de sa tête. Ensuite, c'est donc à Aodan d'agir. Eh bien, moi, je profite du corps à corps entre Dawin et cet archer pour faire une attaque furtive. D'accord. Tu m'as dit que tu t'envolais ? Je m'envole. T'as pareil, 10 cases de mouvement de vol. Je m'envole et j'atterris juste derrière lui pour trancher la gorge largement avec ma rapière. Prendre ton envol et te mettre derrière lui. Voilà. Et faire une attaque sournoise. Donc. Attaque sournoise, ouais. Donc tu as avantage, tu jettes 2 dés et tu choisis le meilleur. 15 plus 7, ça fait 22. 22, ça touche. Et j'ai 3 dés de 6 à jeter. C'est ça. Donc comme tu fais une attaque sournoise, c'est d'abord les dégâts de ta rapière, donc c'est 1 dés 8 plus 4, je crois. D'accord. Et tu rajoutes 3 dés de 6 grâce à ton attaque sournoise, parce que les roublards, ils savent taper là où ça fait très mal. Ça, c'est 1 dés 10. T'as assez de dés de 6 ou pas ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. 4 plus 2 et 3, 5. Donc ça fait 9. C'était 9. 9 plus 4, 13. 13. Ça lui sera fatal. Super. Donc, tu enfonces ta rapière. Vas-y, je te laisse décrire si tu as envie. J'enfonce ma rapière dans l'angle de sa nuque et je tourne comme ça, d'un coup. Et comme une poupée désarticulée, une poupée de chiffon. C'est ça, il s'effondre au sol et c'en est terminé. Parce que c'est pas la première fois qu'on fait ce coup, high five. High five. Très bien. Donc c'est la fin de son existence. En action bonus, est-ce que tu souhaites faire quelque chose ? Et en action bonus ? Il te reste pour le coup 2 cases de mouvement, si tu le souhaites, et d'accord, une action bonus. En action bonus, je me cache, justement, ouais. Ouais ? Ouais. Très bien. Eh bien, je te laisse faire un jet de stealth, cher ami. Et ensuite, ce sera aux créatures d'agir. Alors, 5 plus 10, 15. 15, en tout cas. Très bien. Je vais faire un test global pour savoir si les créatures peuvent t'avoir vu ou pas. Mm. Ensuite, donc, c'est aux créatures. Je vais commencer par les deux gros qui, pour l'instant, vont s'attaquer à des villageois en panique. Non. Et donc, ils s'approchent, là. Je vais fluidifier, j'ai pas besoin de faire de jet, hein, parce que c'est quand même des créatures un peu fortes. Il éclate, ce pauvre homme, aïe, qui tombe au sol, inanimé. Et il se retourne vers les autres membres de... les autres maraudeurs goblinoïdes. Oh, vous sent un cri de satisfaction de voir le sang couler. Celui-ci va vers cette pauvre femme et fait tomber son arme garnie de piques. Je fais quand même un jet parce qu'il peut faire un naturel. Il n'a pas fait un naturel, c'en est suffisant pour l'étaler au sol avec sa grande masse. Ensuite, les hobgoblins. Justement, il y a juste lui, l'archer. Donc toi, tu t'es un petit peu caché, ouais, pas représenté, mais tu t'es caché derrière un buisson. Mais il t'a vu passer. Ah non. Et il pousse un petit cri, il fait... Et il y a quelques têtes qui se retournent parmi les hobgoblins. Et lui va essayer de t'attaquer à Odan. Pour toucher, je fais 15 contre ta classe d'armure. J'ai 15 piles. Et donc ça touche. Très ça bien. Touche. Donc je tire les dégâts pour lui. Et ça nous fait 4 points. Tu subis 4 points de d'accord, piercing damage. De dommage perforant, alors qu'il y a une flèche qui passe à travers le buisson et qui te touche quand même. Mais j'ai une réaction. Ah oui, c'est Uncanny Dodge. Donc c'est tu peux. Ça, voilà. Je peux réduire de moitié les impacts de l'attaque. D'accord. Donc du coup, je retire 2 à mon arme. Ouais, tout à fait. C'est une fois par tour, c'est ça, hein, que tu peux faire Uncanny Dodge, je crois. Énorme. Oui, tu utilises ta réaction ouais, pour faire ça. Donc très bien. Les bugbears ont joué, l'archer ouais, hobgoblin a joué, les autres ont entendu. Et celui-ci, par exemple, va faire. Petit mouvement vers vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Il va progresser lentement dans l'eau, parce que c'est un terrain... lui, il est parti, il est en train de courir, comme un dératé. Et les autres s'approchent, lui, il arrive là, lui,
Bon, il était au contact, donc il va faire une attaque quand même sur ce pauvre citadin. Non, il rate. Donc, il essaye de le trancher, mais ça ne fonctionne pas. Celui-ci s'approche. Il arrive par là. Et celui-ci s'approche aussi. Il est encore dans les marécages. Celui-là va prendre le pont parce qu'il est un peu plus malin que les autres. Et je crois que j'ai déplacé toutes les figurines que j'avais besoin de déplacer. Et ça va être au tour de Elish, je crois. Oui, tout à fait, c'est à toi. Ok. Moi, je vais décocher une flèche sur le plus proche. Sur celui-ci, oui. Ouais. Donc, je fais... ouais, je vais avancer. Un des 20 et tu ajoutes ton bonus avec ton arc. Alors, 13. Ça, c'est un... Oui, vas-y. Et... Alors, attends, la meuf est perdue dans sa fiche. Oh, mon Dieu. T'inquiète pas. Tu vas prendre tes marques. Ça y est, c'est la panique. Attends, elles sont où les armes, déjà? Tu l'as vu dans le... Dans le grand attaque. Tableau à droite. Attaque. Ah, voilà, c'est dans attaque. Ah oui, voilà, elle est là, merci. Donc, c'est plus 6, effectivement. Tu fais 19, ça touche. 19. Et du coup, je fais 1 des 6 plus 3. Ouais, tout à fait. Donc, 6, 3, donc 9. 9. Tu décoches ta flèche, elle part. Et vient se loger pile dans l'épaule et probablement près d'une artère puisqu'il a beaucoup de sang qui sort. Il a l'air de souffrir. Il tient encore debout, mais il est très, 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 très mal en point. Tu vois que le sang se répand et fait une tache sombre sur ses oripeaux. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus et ou un mouvement? Oui, je vais faire une action bonus. Je peux faire un mouvement aussi avec? Si je fais une action bonus, je peux bouger de combien de cases? Ah, en fait, ton mouvement, tu peux le faire quoi que tu fasses des actions ou pas. D'accord. Donc, tu as 6 cases de mouvement, quoi qu'il arrive. Ok. Et tu peux faire une action bonus avant, après, même pendant. Ok. Je veux quand même rester un peu cachée, donc c'est juste m'avancer un petit peu à la lisière, mais quand même rester... Par là ouais, voilà. Rester quand même à distance parce que c'est plus safe pour moi. Ouais. Et je vais faire une action bonus. Je vais mettre la inspiration bardique qui va donner un bonus à un de mes alliés. C'est quoi comme type de bonus qu'on a? C'est tout simplement, ils rajoutent un des 8 à un de leurs jets, soit des jets pour toucher, soit des jets de compétences. Okay. Et ça dure 10 minutes, ils l'utilisent ou pas pendant 10 minutes. Ok, 10 minutes à partir du moment où moi je le lance? 10 minutes dans le jeu. D'accord. Du coup, je vais mettre mon inspiration bardique sur Dawin. D'accord. Comme ça, très bien. Prochaine attaque, tu auras un dé d'inspiration bardique voilà. Que tu pourras utiliser comme tu le souhaites. C'est très bien. C'est un dé quoi, 8? C'est un dé 8, oui. Puisque vous êtes niveau 5. Et ensuite, enfin, c'est à Sheila de dégainer son épée longue. Je dégaine mon épée et, mon cher Lucien, tu vas me dire quelle créature est la plus proche à 9 cases de moi, s'il te plaît. À 9 cases? T'as 9 cases de mouvement? J'ai 9 cases de mouvement. Ben, non, pourtant j'ai 30 feet, mais dans mon récap, il y a écrit 9 cases. Ah, il s'est trompé, parce que c'est 6 cases. Qui s'est trompé? Est-ce qu'on peut le dire au doigt? Max Mammouth, mon frère, qui nous a fait des aides de jeu pour aller... mais très gentiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu Donc peux arriver six... au contact avec lui, ouais. Je vais arriver au contact avec lui. Tout et juste. Je vais sortir à deux mains, mon épée à deux mains. Ouais. Et je vais tenter de le trancher. Alors attendez. Tu as bien raison. Alors qu'il est déjà ensanglanté. Pour toucher, je fais 14. 14, ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant, c'est bien dommage. Il est bien protégé. Je retente. Vas-y, car tu es une guerrière de niveau 5, donc tu as deux attaques. Tout Vas-y. À fait, j'ai mal calibré. Allez. Mon attaque, et cette fois-ci, je fais 28. Ah, 28, ça touche. Ouais, là, j'ai, voilà, j'ai c'est bon, tu as ajusté, et c'est bon. 28, tu touches, tout à fait. Je vais pas. Je laisse faire les dégâts, donc c'est 1 des 10 plus ta force, je crois. Oui, le dé de 10. Enfin, plus, non, mais il y a les magiques en plus. C'est 1 des 12. Ouais, tout à fait. Des 10, tu l'avais en main, ça c'est un des 10. C'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Je ne l'avais jamais utilisé. Eh ben, c'est une première, fais un vœu. Je fais 8 points de dommage. Ça lui sera fatal. Oh, ah, je le coupe en deux. Écoute-moi bien. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Premier coup, tu l'as t'as ricoché un petit peu, t'as ajusté, et là, tu t'es dit, c'est bon, j'ai l'angle. Je l'ai, bien droit, quoi. J'ai capté. Et de toute ta puissance, comme dans du beurre, tu le tranches en deux. Et les deux parties de son corps tombent dans l'eau boueuse des marécages.
Et est-ce que tu souhaites faire une action bonus? Je crois pas que tu aies trop de trucs à faire. Non, je vais pas faire d'action bonus. Là. Très bien. Eh bien, ce sera un nouveau tour maintenant. C'est donc à Dawin de jouer. Alors, où est-ce que, jusqu'où je peux aller avec mes 10 cases de mouvement, alors, sachant que les terrains difficiles ne m'affectent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Ouais, et ben je vais prendre le risque et je vais aller me placer, je vais faire mes 10 cases de mouvement. Ouais. Je vais aller au centre de... Là, entre les deux. Alors, attends. Du coup, il faut juste que je vérifie... Ah bah oui. Ouais, au milieu, en fait. Je veux essayer d'être à 2 cases du maximum de créatures. Eh ben, ce sera là. Voilà. Là, lui est à 2 cases, lui aussi, lui aussi. Ok. Et en courant, je laisse... tomber mon, enfin je laisse voler le manteau et le chapeau, découvrant je les quitte quoi, ouais. Découvrant ce corps un peu chétif, un peu bizarre, et en fait au milieu je me concentre et j'invoque mes Arms of the Astral Self. Donc il y a deux gigantesques bras, vas-y je te laisse les deux les énormes décrire. Bras qui ressemblent à des bras de loup-garou en fait, mais translucides, qui apparaissent autour de mes bras. Et qui vont en fait balayer la zone complètement, ouais. Touchant toutes les créatures que je choisis, donc pas la jeune femme, c'est dans les 3 mètres. En fait, c'est ouais, c'est spectral. D'accord. Donc c'est lui qui lui donne une consistance s'il le souhaite. Exactement. D'accord. Donc tu fais une attaque sur les trois alors monstres, c'est ça ? Alors c'est pas une attaque, ils doivent tous faire un jet de sauvegarde, ouais. Dex, difficulté 15. C'est raté pour le Hobgoblin et pour les Bugbears. Je regarde tout de suite. En dextérité. Ah non, si, ils sont forts en dextérité, les bébés. Ouais. Oh là, j'ai fait 3 et 3, donc c'est un échec. Les 3 subissent 10 points de dégâts. Non. Oh wow, ouais. Non. Et j'utilise un point de ki pour me replier en arrière. Je remonte. T'as de nouveau un mouvement, c'est ça? Ouais, je fais un dash en fait. Et en action bonus du coup. Non. Donc t'as 10 cases à nouveau. Non, j'ai utilisé mon action bonus, je peux pas dasher. Non. Dash, c'est le repli. C'est moi. Dash, c'est se précipiter, c'est foncer. Mais j'ai pas utilisé mon action, je vais faire un dash, tout simplement. Et je vais me replier, revenir vers mon compagnon, juste à côté de... Non, juste à côté de Sheila. Ok, très bien. Parfait. Mon inspiration bardique qui aura servi à rien du tout. En fait, le mec est surpuissant. Non, mais, mais t'inquiète pas, elle va servir. Elle pourra être utile. J'ai pas donné le résultat de tes dégâts. Tu fais extrêmement mal avec tes bras spectraux. Tu attrapes le hobgoblin qui était sur ta droite. Un de tes bras attrape et littéralement lui fait une balayette, mais avec les bras. Et oh, ça lui tranche les chevilles. Il est quasiment... totalement handicapé, il tombe au sol. Oh, il n'est pas totalement mort, mais vous voyez qu'il est très 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 mal en point. Et les deux bugbears, donc en français c'est quoi? C'est Goblours, subissent eux aussi des grands coups de griffes de loup-garou spectral qui traversent leur poitrail et les font saigner à profusion. Mais ils tiennent encore debout et ils ont l'air, ils te suivent du regard, la bave aux lèvres, l'écume. Alors que tu penses bien que tu as attiré leur attention à ce moment-là. Je comprends pas pourquoi. On se demande pourquoi. C'est étonnant. C'est maintenant à Aodan, ensuite ce sera aux créatures, et ensuite ce sera de nouveau à Elish. Alors, Aodan, que fais-tu, cher ami? Moi, j'ai combien de cases de déplacement pour... T'as 10 cases de déplacement, si tu voles. D'accord. Je vole jusqu'à l'archer, qui m'a touché tout à l'heure. Ouais. Parce que j'ai pas du tout apprécié. Ouais. Et je... Du coup, il m'a déjà vu, lui, donc je peux ouais, pas... Ouais, mais tu peux potentiellement t'envoler et aller te cacher dans cet arbre-là. Donc et cacher en action bonus, puis faire une attaque. Voilà, je m'envole, je me cache dans l'arbre. Ouais. Et je le vise avec mon arc et je lui tire une flèche entre les deux yeux. Je t'ai suggéré ça parce que j'avais envie de sortir ce petit truc. Ah oui. Un petit podium. Regardez-le. C'est vachement Aodan, pratique, là. Ces petites choses. Il vole et il est resté dans l'arbre, il est caché. On dirait qu'il vole. Fais-moi un jet de stealth, s'il te plaît. C'est du Méliès. Alors, on est sur du 18 plus 10, du 28. 28, alors je vais faire un jet pour... Oui, non. Donc tu es effectivement... Même moi, j'ai eu peur. Tu t'es surpris toi-même. Très bien. Il était fasciné par ce qui vient de se passer, en fait. Il faut l'avouer.
Donc, dans ton envol, tu t'es posé hyper discrètement et délicatement dans les branches. Et là, tu es juste avec ton arc. C'est ça. Et tu peux, vas-y, faire ton jet d'attaque avec avantage, puisque tu es caché. Fais un jet de fiance. Avec avantage. On est sur 15 plus 7. Jette un deuxième dé, ça se trouve, tu feras un 20 naturel. Non, le jet, oui, c'est ça. 22, bon, on va voir, c'est ce que je fais sur le deuxième. Bah, j'ai fait 15 les deux fois, donc on est sur 22. Et ben ça touche, cher ami. Plus les dés de 6, non ? Et là, tu vas faire donc 1 des 8 plus 4 pour ton arc. Ton arc, il est pas un peu magique ? Mais après, damage, c'est 1 des 6 plus 4. Ah, c'est ça. Oui, donc c'est pas... Oui, non, d'accord. Donc c'est 1 des 6 plus 4. Et donc, ensuite, je ferai les 3 des 6. 3 des 6. Donc tu peux directement lancer 4 des 6 et tu ajoutes 4 à la fin, au résultat total. Alors, 6, 10, 14, 16... Plus 4, 20. Tu fais 20 dommages, ça lui est fatal. Je te laisse décrire comment ta flèche vient se planter dans son corps. Bah, la flèche vient se loger entre ses deux yeux, où on entend un craquement comme ça qui vient transpercer le crâne et qui explose derrière. Et ce qui lui servait de cervelle vient s'étaler comme ça dans la nature et il tombe comme un pantin. Totalement inerte. Voilà. Très bien. Je crois qu'il te reste plus de possibilité de faire quoi que ce soit, mais c'est très bien. T'es caché dans ton arbre, t'as tiré. C'est parfait. Mon action bonus. Ce sera donc maintenant aux adversaires. Et donc, ils ont 6 cases. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, au milieu de la flotte. Ils se précipitent vers toi. Dans sa course, il sort son javelot, il voit qu'il va pas réussir à t'atteindre. Il essaie de te lancer un javelot. Et il va faire... va faire 23 pour toucher. Ça touche pas. Quoi ? Mon kill. 23, ça touche. Et il t'inflige... Ouf, là, j'ai fait un bon jet, je suis désolé. Par avance, puisqu'il a fait 13 de piercing damage. Est-ce que... parce que ça, vraiment, c'est une vraie question. Melee, j'ai qu'un seul des 2 dés, donc je vais prendre le moins bon. Donc ça va faire 8 de dommage. Est-ce que les javelots sont pris en compte par le deflect ? Tout à fait. Je vais faire mon deflect missile. Il y a une habilité de moine qui est vraiment comme dans les films de Kung-Fu, où tu peux... On te tire dessus avec des flèches et tu fais non, car je suis trop puissant et trop rapide et trop agile. J'avoue, je me souviens plus de la règle, donc je te laisse. C'est ma réaction, donc ça va prendre ma réaction. Ça utilise ta réaction, tout à fait. Et pendant ce temps, je vais faire le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Je pile. Tu atteins le même nombre de. Ouais. Du coup, je vais dépenser un point de ki. Ouais. Et je vais lui relancer son javelot à la tronche. Donc là, vous voyez Dawin qui attrape le javelot que la créature lui a lancé de toutes ses forces. Et pourtant, ils sont pas loin. Et il réagit très, très vite. Il l'attrape. Et dans un même mouvement, il utilise la force de son ennemi. Dawin, je le reconnais bien là-dessus. Hein. Ça, c'est tout Dawin, ça. 17 plus 6, 23. 23, voilà. Tu touches, cher ami. Et donc, du coup, on est en dé quoi pour les dommages ? Les dommages, c'est 1 des 6 plus ta force. Non, ta dextérité, puisque c'est les javelines, ça peut être... 6 plus 4, plus 3, pardon, 9. 9 points de dommages. L'inspiration bardique, elle joue pas là ? Pas sur les dommages. Pas sur les dommages, non. Sur les jets d'attaque, mais pas sur les dommages. Okay. Si j'avais loupé mon jet d'attaque, j'aurais pu utiliser l'inspiration bardique dessus, du coup. D'accord. Donc, tu récupères sa javeline et tu lui lances... Elle vient se planter dans le gras sur le côté et elle dépasse littéralement de son flanc. Et il se met sur ses appuis, il hurle, les yeux injectés de sang et vraiment, il t'aime pas trop. Et il lui fait un vrai grand sourire. Ouais, avec les dents qui pointent. Ouais, exactement. Il est très très fâché. Cependant, son ami est juste derrière lui et il fait la même chose, il t'envoie une javeline. Et je ne vais pas réussir à toucher, je pense, puisque je fais un maigre 7. Plus 10. Non, 7, ça ne touchera pas. 7, elle vole, elle se perd, elle rebondit juste à côté d'Elish qui fait wow, attention. Et donc, c'est maintenant au Hobgoblin. Lui, il va essayer de tuer toujours cette pauvre victime humaine. Il a déjà pris 10. Ils échouent tous. Non, là, il touche. Et malheureusement, s'il touche, il tue. Donc, cette pauvre personne est morte. Mmh. On aura essayé. Ah, vous avez essayé. Le villageois, là. Et il va faire 1, 2, 3, 4, 5, la cape violette. 6. Ouais. On embrasse. On embrasse sa famille.
Thoughts and prayers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, ils vont tous se diriger vers vous. Il y a un rush là. Ah bah ouais, il y a du monde. Ah oui. Ok. Bah là, si vous avez un effet de zone, c'est le moment. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder, ouais. Un effet de zone. C'est exactement. Ouais, c'est pour les sorts. Ouais, c'est là où. Voilà, ils ont tous, ils se sont tous déplacés. Non, pas lui. Lui, il va aller au contact et voilà. T'as chopé l'aggro, hein, Dewey. Bah, je pense ouais. qu'ils se sont tous dit, oh là là, il est dangereux lui. Donc il va essayer de t'attaquer avec avec ses épées. Bon, il a qu'une seule attaque, hein, mais il essaye quand même et il réalise. Oh non, 12. Donc ça ne fonctionne pas et c'est donc la fin de leur tour et c'est à Eilish et ensuite ce sera à Sheila. Alors, j'ai une question. Je voudrais utiliser le sort Shatter, qui est un sort Shatter. D'attaque. Je ne sais pas comment c'est on dit en... Fracas. Ouais, je suis en très français. Bonne en anglais. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de jugement ici. Et c'est un sort donc, qui est électrique. Le truc, c'est que là, les ennemis, ils sont dans l'eau. Ouais. Alors, est-ce que... C'est Thunder Damage, c'est ça? Ouais, c'est sort électrique, efficace contre les armures, le métal, etc. Mais, c'est de la foudre. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Ouais, parce que moi, j'ai besoin... Enfin, il faut que je sois à côté d'eux, ou est-ce que je peux me mettre quand même au bord? Tu détermines un point. Okay. Et dans cette zone-là, c'est efficace. Ah, mais c'est génial! Ah, oui. Ouais, bon, et je vais vérifier alors... tout de suite. Ben, voilà, n'allez pas dans l'eau, quoi. Pour l'instant. Moi, je vais ça rester dure... perché. Là, vous êtes, non, après, vous êtes ça, ça dure juste le temps. C'est instantané, ça prend une fraction de seconde. Ouais, d'accord. Je vais regarder tout de suite. Dans son arme, il n'est pas bien, là. Il va leur fianter dessus. Donc, je te tu laisse. Comme ça, ouais. tu coches cast sur. Ouais, on y va. Cast. Tu le fais à niveau 2 niveau allez, niveau 2, on y va, on fait plaisir. Et donc, c'est 10 feet, donc c'est sur deux cases. Donc, tu peux le faire soit affecter les deux gros, bah, oui. soit ces deux-là, soit ces deux-là, mais pas à tous. Ok. Ok. Ils sont comment un peu là les gros niveaux? On les voit comment? Celui de gauche là, il est assez mal en point parce que Dawin il vient de lui relancer sa javeline ouais. et tout. Ah, ah. Et lui, il a été attaqué aussi par les bras spectraux ouais. de Dawin, donc il est pas hyper bien. Ok, mais ce que je vais faire, c'est que je vais viser les deux gros comme ça. Ça évitera que potentiellement des gens se prennent un coup après. Et donc tu n'as pas de jet à faire. C'est moi qui dois faire des jets de sauvegarde de constitution. Ok. Difficulté 15 sur ces deux là. Ok. C'est lamentable, j'ai fait 4 et 5. Donc, ah, c'est génial, c'est tous les deux ratés. Et donc là, tu fais 3d8. 3d8 de dommage. Le 8, c'est celui-là. Et c'est ouais, du c'est Thunder celui-là, Damage. Ouais, lui et lui. Ok, 3d8. Bon, t'as quoi, désolé, je le fais là. Mais... Ah, vas-y, fais comme tu as envie. Alors, 1, 5 et 4, 10. 10 de dommage. Ouais. Très bien. Et on va considérer que, c'est règle maison, c'est juste parce que je trouve ça fun qu'elle fasse dans l'eau, relance un des 8 de dommages supplémentaires pour eux. S'il te plaît. Oh merde, 2. Ça fait un total de 12. Eh bien, sache que sur lui, ça lui est fatal. Oui. Si tu as envie de décrire comment il meurt dans d'atroces souffrances, tu il peux. Il est carbonisé. On voit juste ça, on le voit disparaître d'un coup. Carbonisé par la foudre. Toute sa hauteur. Ouais, en fait, vraiment, on ne voit plus que son petit, sa petite arme qui tombe au sol. Et pouf. Et c'est une poussière, voilà. Très bien. Et l'autre subit l'effet magique. Donc, vous avez vu comme si l'air se déchirait devant vous dans un claquement de tonnerre assourdissant. Et il y a des morceaux de chair qui éclatent sur cette grosse créature. Il tient encore debout, mais effectivement, il est assez mal en point. Est-ce que tu souhaites faire un déplacement, une action bonus ou rien du tout? Non, je vais rester là. En action bonus, c'est juste déplacement ou mes deux sorts. C'est déplacement, action bonus et réaction. Ça, c'est tout ce que tu peux faire dans un tour. Ouais. Le déplacement, c'est tu peux le prendre ou ne pas le prendre. Ouais. Et pareil, action bonus, tu peux en faire une ou tu peux ne pas en faire une. Ça peut être une flèche ou pas, l'action bonus? Non, ça peut pas être d'accord, une flèche. D'accord, ouais, c'est ça. Non, mais tu as raison de poser la question. Je vais rester là où je suis. D'accord, tu restes là où tu es, et donc c'est maintenant à Sheila. Je garde mon épée à deux mains, ouais. et je fonce sur le deuxième gros... Sur lui. C'est quoi son nom, en fait? C'est un gobelours en français. Un gobelours? Ouais, un bugbear en anglais, un gobelours en français. Bien.
tout cas, je fonce sur lui. Ouais, et tu l'attaques. Et je l'attaque. De toute ta force, à deux mains. De toute ma force, et je fais de très mauvais jets. Je fais 11, première au total, attaque. Ouais. Non, c'est pas suffisant, mais en général, quand tu rates la première, tu nous fais un beau score sur la deuxième. On va espérer, allez. On va espérer, puisque je fais un 20. Pour la deuxième... Dirty 20 ou Dirty 20, naturel. Bon, okay, Dirty 20. Je te laisse faire les dommages. C'est le 2 de 10. Ouais, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-ci. Si, si. Si, si. Mais sauf que c'est... Ça, c'est la dizaine. Tout à fait. Voilà, quelle intelligence. Je reprends quand même celui-ci. Je fais en dommage, je fais 14 de dommage. Ça lui est fatal. Oh, excellent. Dans le ventre, dans les abdos. Tu enfonces ta lame. Je l'enfonce, je retire, splotch. Terminé, simple, efficace. Et je vais faire une action bonus. Ouais. Pour, non, non c'est, une veux... manœuvre, pardon. Je vais faire sweeping attack. Je peux pour attaquer celui qui est à côté ou il n'est pas assez à côté de moi. Il te reste du mouvement. Ah, t'as oui. pas besoin. Là, t'as fait 1, 2, parce que c'est terrain difficile, donc tu ouais. crames le double. Mais là, il te reste 4 cases de mouvement, donc tu peux très bien faire 3, 4. Donc, je mais vais, t'as voilà. utilisé tes deux attaques pour l'instant. Hein. Ah, sauf si tu as Action Surge. Si tu as Action Surge, tu peux refaire une attaque, une action supplémentaire. Allez, je vais faire par plaisir, par plaisir. Donc, tu as de nouveau deux attaques, vas-y. J'ai de nouveau deux attaques. Je fais, 18 plus 9 pour toucher, je pense que... 19, ça touche, oui, tout à fait. 18 plus 9, même, oui. Ah, 18 plus 9, oui, ah, oui donc, ça touche largement. Et je suis toujours au dé de 10, c'est pas mal, ça. Je fais 16. Ça lui est fatal. Oh là là. Il te reste une deuxième attaque et une case de mouvement, si tu je le tranche et je vais vers l'autre. On n'arrête pas sur ma lancée. Ça, la mort du gros m'a donné un peu d'inspiration. Le goût du sang, l'appel du... Eh ben, tu sors de... Là, ce sera peut-être ta troisième victime. Vas-y, fais ta dernière attaque. Je fais 17 plus 9 pour toucher. Ah oui, donc ça y est, elle est réveillée, là. Je suis réveillée, je suis... C'est bon, c'est vas-y, fais les dégâts. C'est bon, à la suite des brochettes. Allez, je fais 8 de dégâts. 8 de dégâts, ça ne lui sera pas fatal, mais ça lui est douloureux. C'est pas grave, ça me fait rire. Comme si je l'avais fait exprès. Elle rit face au danger. Très bien, excellent tour, Sheila. Merci. Ensuite, c'est à Daywin. Écoute, moi, je suis au corps à corps avec un vil hobgoblin. Donc, je vais tout simplement... essayer de lui... Bah, là, maintenant, j'ai mes bras astro, donc je n'utilise plus ma lance. Hein. Ouais, ouais, ça y est, ils sont sortis, ils sont déployés. J'y vais au point. Vas-y. 18 plus 7, donc je pense que ça touche. 25, ça touche, tout à fait. Et on est sur du... Hop. On est sur du 10 points de dégâts. Lui, il avait déjà subi des dégâts, ça lui est fatal. Ouais. Et je lui prends, en fait, la tête. Ouais. Et... je l'écrase. Et elle éclate entre tes doigts, pff, les restes de sa cervelle. Je vais avancer jusqu'à me mettre au corps à corps avec le hobgoblin qui est au corps à corps avec Sheila. Et je vais donc lancer une deuxième attaque. 19 et 7, 26. Hein. Largement. Là, il va subir 7 points de dégâts. Ça lui est fatal. Oh là là. Et en fait, je le balaie au passage, ouais. Lui tranchant les tendons d'Achille. Très bien. Et je suis à une case de distance, si je ne me trompe pas. De l'autre, oui. De l'autre. Il y a une seule case entre vous deux. Eh ben, vu que j'ai un reach de 5 feet de plus. Ah oui, parce que tu as les grands bras astro. Ah, je lance les bras astro et je vais utiliser mon action bonus pour faire une dernière attaque. Un jab dans le ventre. Ah ouais. Oh là là. 9 plus 7... Ce ne sera 16, pas suffisant. 16. Dommage. Plus 7, 24. Tu utilises donc ton inspiration bardique. Plus 7, c'est largement suffisant. Et donc, il allait parer avec sa lance. Et en fait, tu as fait une petite feinte. Tu t'es souvenu des petits airs de musique que Elish a joué pour toi. Et tu as fait... Il s'est reparti. Ça perce ses défenses. 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. 5 points de dégâts, pardon. Moi, à Odin. Lui, il est dans son arbre depuis tout à l'heure. Je me les caille un peu. Je suis rentré en conversation avec 2-3 créatures déjà. Désolé. Et
pendant que Auden est en train de fianter dans son arbre, il faisait un nid. Non, mais je fais pas que ça. Je fais pas que ça. C'était trop une famille. J'ai tué des petits fruits. Je me suis restauré un petit peu. Quand vous étiez en train de faire la guerre. Et alors moi, j'en profite. T'es toujours caché, hein. Tu vois pas tout. Qu'est-ce qui te manque? Ouais, voilà, très bien. Donc là, eux, ils sont, ils ont pas engagé le combat encore. Personne, aucun des deux. Bah alors, je fais une attaque. Je m'envole évidemment de mon arbre. Ouais. Et je fonds sur lui en lui tirant une flèche dans le cœur. D'accord. Voilà. Tu peux essayer de faire ça, tout à fait. Et donc, tu envoles ici. Tu peux rester dans les airs. Ah bah, reste dans les airs. Oui, c'est le principe d'un oiseau. Et vas-y, voilà. Je fais ton attaque. Je vais considérer que tu as l'avantage, puisque il est très préoccupé par Dawin au sol, et il ne s'attendait pas à ce que ça vienne des airs. Donc là, on est sur 12. T'as fait avec avantage? J'ai fait 5. Ah non, avec avantage, pardon. Voilà. Ah oui, là, c'est mieux. Donc, 21. 21, tu touches tout à fait. Et donc, sneak attack, 4 dés de 6 plus 4. Oh, c'est ça. Alors, 8, 10, 12, 16. Oh là, ça lui est fatal. Ça lui est fatal. Et donc, effectivement, donc, tu lui tires en plein cœur. Je lui tire en plein cœur, mais quand la flèche arrive dans le cœur, je fonds sur lui et je mets un énorme coup de pied pour enfoncer la flèche encore plus dans le cœur. Juste pour le style. Pour qu'il s'effondre et je récupère ma flèche comme ça. Parce que qu'il n'y a pas de petit profit. Parce que c'est de l'artisanat un petit peu onéreux quand même. Voilà. Il n'y a pas de petites économies. Hein. Très bien. Donc avec ta serre, tu enfonces la flèche qui rebondit c'est au ça. Sol et tu fais... Exactement. Avec un air de défi. Et en fait, je lui retire comme ça et je pars au loin et il s'effondre dans mon épaule. Et tu regardes pas. Bien sûr. Explosion. Évidemment. Il s'effondre derrière ça. Et là, il y a un 4x4 qui arrive derrière. Michael Bay présente. Et là, il y a du hard rock. Une voix off en français, toute nulle. Vous avez vu cette action? Elle est extrêmement stylée. Donc, très bien. Il est en train de s'étaler derrière toi. Voilà. Parfait. C'est donc la fin de ton tour. Oui. J'ai pas fait d'action bonus. Non, qu'est-ce que tu veux faire comme action bonus? Eh ben, mon action bonus, je reste en steady aim pour avoir l'avantage sur ma prochaine attaque. Alors, steady aim, c'est seulement quand tu n'as pas bougé pendant le tour. Il y avait un piège, je voulais voir. Il y avait un piège, il suivait le con. Donc, tu ne peux pas faire ça, mais tu te mets en position et tu t'apprêtes. Attends, c'est quoi déjà les bonus action? Je crois pas que tu aies trop d'action bonus avec ta classe. Là, ils disent cunning action, you can take a bonus action on each of your turns. Ah oui, si tu veux, tu peux refaire un mouvement. Tu peux me redéplacer, ouais. Voilà. Tu veux te déplacer? Je me cache. Alors, c'est soit tu te caches, soit tu te déplaces. Je me cache. Là, ça va être difficile de te cacher parce qu'il n'y a rien. La mer noire. Ok. Il n'y a rien pour se cacher. Ah ouais, je ne peux pas me cacher. Il n'y a plus que lui. Et si je vais sur le toit, je me cache sur le toit. Je fais semblant d'être une poule. Allez, on peut dire ça, vas-y. Donc tu fais un déplacement sur le... Oh là, je vais pas faire ça. Non, mais bah alors sinon... Non, t'inquiète pas, ça va Parce tenir. Que j'ai l'art du déguisement, sinon je me... Bon, j'ai trop peur qu'elle tombe, sinon, donc... Non, ouais. Tonneau. Il est sur le toit. Voilà, très bien. On sait que... Regarde. Il est sur le toit, et donc tu es caché. Fais-moi un jet de stealth, s'il te plaît. C'est ce qu'on dit de toi souvent, il est perché. Ouais. Je suis toujours perché. Adrien donc, serait là autour de la table, 16. Il aurait fait un festival déjà de ça. 16. 16 pour te cacher, très bien. Et c'est donc au tour de notre ami Hobgoblin. Lui, son action, ça va être dash, parce qu'il s'enfuit. Voilà. Il part par là, il s'enfuit, il part dans cette direction-là. Et on ne peut pas le rattraper. Mais... Vous pouvez essayer. Hein. Moi, je le suis avec mon arc, comme tu ça. Tu rigoles. Je me tiens. Je vais dire non. Très bien. Je vais gâcher une flèche. La prochaine personne à agir, c'est Eilish. Mmh. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Bon, ben, à part lui là-bas, je peux tenter une flèche? Non, c'est portée longue, mais tu seras juste à désavantage. C'est 320 pieds, la portée longue des flèches. Tu tires en cloche, mais tu seras à désavantage. Ouais, non. Tu peux essayer, non. Ça se trouve, tu feras 19 et 20. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai rien à perdre, en vrai. Et t'as une inspiration, en vrai? Non, tu peux pas te la prendre pour toi. Non, tu peux pas te la donner, c'est que pour c'est les autres. Un point bonus de... L'inspiration bardique, elle joue un petit air ou donne un mot d'encouragement ou fait une petite rime sur toi et ça t'inspire et ça te donne un des 8 que tu vois, Julien a utilisé tout à l'heure pour mais son attaque. Non, mais là, elle a son inspiration que tu lui as donné. Ah oui, ouais, c'est ça, qui peut annuler le désavantage. Oui, c'est vrai. Attends, quoi? Ah mais oui, oh là là, le petit truc. Geek. Ah, tu connais, mais génial. Donc ça veut dire que là, c'est juste je tire une fois. Ouais. Et on voit ce qui se passe, quoi. Ouais. Ok. Allez.
Vas-y, j'ai trop envie de finir. Faire. Ah ouais, ah, là, c'est le dernier. Là. Sont là, là, tu imagines, ouais, là ça serait beau. Ah ouais. Et je sens que je vais faire de la merde. La bataille des bâtards. Ah. Alors. Allez. Tout le monde est en attente, tu sais. du coup, action, attaque. Donc c'est 9 plus 6, ça fait 15. 15. Ça touche pas. Ah, ça touche pas. Malheureusement. Enfin, ils ont beaucoup de clés d'armure. Ouais, ils ont 16, ils sont très bien protégés. Oh, très bien. Déception, quoi, ça... Est-ce que tu veux te déplacer, faire autre chose? Bah, je rejoins mes amis, quoi. Ouais. Mais après, bon. Tu veux t'excuser, peut-être? C'était quoi ce tir? On va sortir de l'ordre d'initiative. On va considérer qu'on est sorti du combat. Ok. Voilà. Puisque ensuite, si vous voulez le poursuivre, on va faire plutôt une poursuite. Voilà. Donc, je vais me rasseoir. Hop. Est-ce que vous souhaitez le poursuivre ou pas? Le combat? Non, le fuyard. J'aimerais bien moi, le faire prisonnier. Moi, je le poursuis, ouais. Toi, d'accord. Peux, ouais. Bah oui, toi, en plus, tu peux. Donc vous avez tous les deux 50 pieds de mouvement, donc vous êtes très rapide. Je vais faire on va faire des jets de d'athlétics. D'accord. Et... Tous? Toutes les personnes qui poursuivent. Donc c'est nous. C'est non, ouais, allez-y. Si vous voulez, quoi, les filles, vous pouvez là, aussi. Hein. Non, non, on reste là. Tranquillement. Peut-être choper les petits tonneaux là. Oh. Alors, moi, 8. J'ai 13. Ouais. Bah, j'ai fait un naturel. Ah bah, t'as clairement. Donc, on va considérer que vous étiez à deux distances. Mmh. Vous êtes plus qu'à une distance. Okay. On peut refaire un jet d'athlétisme. D'accord. 9. Alors, moi, ça fait du coup 8. Un naturel. Donc, c'est joli. Rattrapé. Ouais, c'est j'ai joli. Fait deux un naturel d'affilée. Ah, ouais. Du coup, je le plaque au sol, en fait. J'utilise mes deux bras astro et... D'accord. Moi, je le tiens en joue quand même. Toi, tu tiens en joue, t'es prêt à décocher. Fais-moi un test d'attaque, même si je sais que c'est pas pour le blesser. Ouais, mais c'est juste pour savoir comment ça fonctionne. Allez, je vais utiliser mon inspiration. Hop là, comme ça, je suis sûr de me planter. Et j'ai eu raison, parce que ça aurait pu être un 5, ce qui me fait un 18. Largement. Tu le plaques au sol. Il est... Moi, je range mon arc, parce que je vois que totalement neutralisé. Tu le maintiens aisément. La force de tes bras le maintiennent totalement au sol. Et vous pouvez... On les rejoint. Les rejoindre. Ouais. Okay. Tu l'as retourné, il est sur le dos, comme ça. Il a la bave aux lèvres, il a les yeux injectés de sang et de peur. Il est probablement en train de se faire pipi dessus. Que souhaitez-vous faire? Moi, pour l'instant, je suis un peu en état frénétique. Je laisse parler, en fait, je le retiens et je vais prendre quelques secondes pour souffler, en fait, faire disparaître tout l'aspect bestial de mon visage. Dites ce que vous voulez. Et pour l'instant, tu te retiens de pas l'éviscérer sur place. Exactement. Il parle. Moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Tu peux essayer. Il parle le comment? Tu verras en lui parlant. D'où viens-tu? Je viens de la forêt, pas très loin. Pourquoi avez-vous attaqué le village? Pour Umpati, pour notre maître. Ok. Pour Umpati. Est-ce que quelqu'un... et compétent en histoire, history. Est-ce que vous avez le petit point à remplir? Oui. Ouais. Ah. Eh ben, je vous laisse faire un jet toutes les deux. Ok. Moi, je te dis, respire. Il a dit quoi, le médecin, la dernière fois? Le ventre. Cousa. Ok. Ça, c'est deux. Attends, je plus 21. 13. Très bien. 21. 13, c'est pas suffisant, ça te dit rien. Umpati, ça sonne draconique pour toi. D'accord. Voilà, la langue. Ouais. Voilà. Absolument. Il a dit c'est pour Umpati, notre maître. Ok. Bon, j'en fais part à mes... Ouais. Je vous en fais part, quoi. Ok, l'eau. Et ton Umpati, il a un plan ou pas? Comment ça, un plan? Il fait quelque chose dans les collines ou... Non. Il dort. La plupart du temps, il dort. Il dort où? Son repère. Où? Où? Un peu plus loin, là-bas. C'est où, un peu plus loin, là-bas? Il montre... Il montre derrière, un peu plus loin, dans le village. Rien à voir Pas dans le village, mais
au loin, derrière lui. Je te menace avec la source. Je te braque avec mon arc, avec une flèche comme ça, bien sur ton visage. Je te dis, tu peux nous en dire plus ? Fais-moi un test d'intimidation avec avantage. Moi, j'ai pas de... Vu que tout est en sylvain sur ma tablette, j'ai pas un sort qui me permet de lui dénouer, délier la langue un peu. Je regarde ça tout de suite. Ouais, merci. Tu fais 9. Ouais. Je lui écris dessus. Qu'avez très bien. C'était quoi ta question ? C'est où, tout simplement ? C'était... Oui, tu peux nous en dire plus sur sa cachette ? Est-ce qu'il est, ouais. Nous, on a installé notre camp derrière, devant, et c'est derrière une cascade, une chute d'eau, dans une grotte. Vous voulez notre whisky ? Hein ? Notre whisky, la tourbière ? Tourbandine. Tourbandine. Rien à voir. Ah non, pfff ! Truc humain, ça. Alors, comment ça, pfff ? Ah, il y a trop de goûts différents. Moi, je veux de l'agneau. Et pourquoi ton maître t'a envoyé saccager ce village ? Qu'est-ce que vous deviez... Il nous a rien demandé, mais on vient chercher là où il y a. Les voyageurs, les villageois. Et puis, on réunit des trésors pour qu'ils soient contents. D'accord. Achève-le. Je pense qu'on... Ouais, on a rien d'autre à lui. Rien à en tirer. Ouais, non. On n'a rien à en tirer. C'est non. Pas une bonne idée, ça. J'aime pas son idée. Ah bon ? Non. Prends-lui une dent. Non, je C'est pas une mauvaise idée, ça. Si c'est l'un ou l'autre, je veux faire bien. Un collier, maintenant. Du coup, quand elle dit « prends-lui une dent », je dis « c'est pas une mauvaise idée ». Et en fait, je place mes doigts autour d'un de ses crocs. Tes doigts à toi ou t'es ton bras spectral ? Mon bras spectral. Ouais. Et je commence légèrement à tirer. Non, mais j'ai pas besoin d'aller. Ils ne connaissent pas les dentistes. Bon, alors, est-ce que tu peux nous donner l'emplacement précis de ton Oumpati ? Là-bas, machin, dans la forêt, nous, ça nous va pas. Mmh. Il y a une cascade. Fais-moi un test d'intimidation avec avantage encore. 20. Pas naturel. Ok. Et là, toujours avec la dent tirée. Arrête, laisse-moi parler. Ok, je lâche. Je peux vous amener et après vous me libérez. Amène-nous déjà, oui, on verra après. C'est vers là où on va ? Ouais. Je vous amène. Allez. Vous êtes nombreux encore là-bas ? Ouais. Non, vous avez tué beaucoup de nos membres. Hein. Tu voyageras avec moi, entre mes serres. Et s'il y a le moindre piège, je te lâche dans le vide. Et tu te fracasses comme une pierre. Ça te va ? Oui, j'ai pas trop de choix. Non, c'est vrai. Je vous propose un truc. On l'attache. On le baïonne. Mm-hmm. On prend un petit repos. Mm-hmm. C'est vrai que moi, j'ai... Un petit repos, ça nous ferait pas de mal. Moi, ça me permettrait de recharger aussi un peu. Mm. Je crois que toi aussi, ça te permettrait de recharger. Oui, oui tout à fait. Un petit rest, là, ça... Un short rest. Tu récupères ton action surge, par exemple. Ouais, d'accord, voilà. C'était ma question. Et toi aussi, ça te permettra... J'ai vu des petits tonneaux au village. Oui, des petits peut-être tonneaux. On peut en prendre un pour... Ouais, bon, un coup. Pour un petit coup, quoi. Ouais. On a le mettre une cuite. On a le whisky aussi. Hein. J'y crois pas. Est-ce qu'on ne garderait pas pour moi, je le garderais pour réussi, tu vois. Pour la diplomatie, moi. Ouais, quand on aura. Ouais, la diplomatie, c'est ça, quand on aura réussi, quoi. Mmh. Allez. Et le hub-gob qui vous regarde toujours, qui passe de l'un à l'autre. Les fous. Est-ce qu'on n'irait pas voir au moins s'il y a des survivants dans le village si... Aussi, on va faire un petit tour. Ah. Attachons-le d'abord. Oui, j'ai une raison. Je sors ma corde, du coup. De toute façon, là, il a compris, il met les poignets dans le dos. Et juste avant que mes bras s'estompent, parce qu'avec tout ça, ils vont finir quand même par s'estomper, en fait, j'utilise mes bras astro pour bien serrer la corde. Oui, parce qu'ils sont plus forts que toi, les bras astro. Hein. En fait, j'utilise ma sagesse à la place de n'importe quelle, enfin, pour n'importe quelle caractéristique. Très bien. J'ai de caractéristique de force. Ouais, j'ai pas besoin de faire de jet pour ça. Voilà. C'est très bien serré, il a les poignets violacés. Bien violacés, et voilà, il vous suit. Pour aller un peu plus vite, dans le village, il y a dans les personnes qui ont été attaquées, elles sont toutes mortes. D'accord.
Il y a une ou deux personnes qui sont légèrement blessées et il y a déjà des gens qui sont autour d'eux en train de prendre soin d'eux. Et vous aussi, vous apportez votre aide. On ne va pas le jouer, c'est pas la peine. Ouais, sûr. Mais voilà, vous leur apportez le de l'eau et tout. Et vous-même, non, le bûcheron Morrigan est toujours là. Ah. D'ailleurs, il a essayé de se battre un peu avec sa hache. C'est un des seuls qui est capable de se défendre. mais voilà, donc vous pouvez valider sur vos sur vos fiches short rest. C'est tout en haut de la fiche. Yep. Il y a une petite, un petit encadré short rest, c'est repos court en français. Et on fait un short rest, pas un long. Bah, long rest, c'est 8 heures. Ouais, bah autant faire un short Donc rest. Donc on va voyager de nuit. You've complete your short rest. C'est assez gênant. Ouais, je suis pas fan de l'obscurité. Mais... Techniquement, on est en plein milieu de la nuit, mais en fait, on n'a pas fait une journée complète chez le baron, donc on est un peu décalé. Vous avez passé littéralement, c'est pour toi, littéralement... Il déteste le mot une heure et demie. Non, il le disait beaucoup au début quand il était élu. Une heure et demie dans le fait, dans le royaume, dans la féerie. Ah oui. Et visiblement, il s'est passé beaucoup plus de temps dans le vrai monde. Soit une journée complète plus deux journées complètes, soit une journée complète, soit plus. D'accord. Puisqu'il fait nuit noire. C'est vraiment, ils ont attaqué au milieu de la nuit. Pour nous, on est encore en milieu de journée, quoi. On fait une sieste, quoi. Oui, on fait une petite sieste, on se repose. Voilà, vous vous abreuvez, etc. Donc, vous faites votre repos court, il est validé, il n'y a aucun problème. Et donc, vous vous mettez en route, guidé par le hobgoblin, qui s'appelle Gmush. Il faut être, moi, c'est Gmush. Personne ne lui a demandé. On s'en fout, Gmush. Ouais, Gmush. Allez, Gmush. Voilà. Je savais qu'elle ne m'aimait pas, elle. Avance, mâche. Et donc, tu fais le plan de le prendre dans les serres. Ouais. Très bien. Et ben, assez rapidement, il pointe du menton, puisqu'il a les bras attachés, il ne peut pas faire grand-chose. Ou alors, il pointe du pied, par là. Mais il te guide et il n'a pas l'air de vous mener dans un piège. D'accord. Et vous progressez, vous regardez dans le ciel comment Aodan avance et dans quelle direction, etc. Il vous donne un petit peu le cap. Et vous avancez, et dans la forêt, tout se passe correctement. Et effectivement, vous arrivez à un moment où il y a une sorte de rivière qui a commencé à se former. Et cette rivière, vous la remontez, et vous arrivez à une étendue d'eau qui est formée par une cascade, une chute d'eau. Pas très haute, hein, ça fait peut-être 4-5 mètres, c'est pas non plus un truc phénoménal, mais voilà, c'est assez joli, vous entendez le bruit de l'eau, et y a un camp, typiquement avec des huttes en cuir et des ossements et des décorations qui font très gobelin, goblinoïde en tout cas, c'est rien de trop sophistiqué. Et vous l'avez bâillonné aussi. Ouais. Oui. Et pour qu'il avertisse personne. Et pour pas qu'il nous dise son prénom, parce qu'on s'en fout. Ouais. On lui retire le baillon. Bah toi, t'es dans les airs pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait alors? On lui retire le baillon ou pas? C'est bien, c'est discret. C'est ça. Vous l'entendez, ça résonne dans l'air. Il y a une volée d'oiseaux qui. Il fait signe de descendre. Je te fais signe de descendre. Ouais, je descends. Ah, il est fin. Je vous le dépose. Il a toujours été fin. Et je me remets sur un arbre parce que j'ai un peu honte. Je te regarde avec un regard, mais désespéré. Sais, je sais. Pourtant, on m'avait dit. Ça va. On l'avait dit. Ça, quand je me réveille de la sieste, je suis déphasé, je fais n'importe quoi. Arrêtez de boire. Très bien, vous êtes du coup. Du coup, tu l'as posé au sol. Ouais, je l'ai posé au sol, juste à côté de toi. Bon, bah, on va le débaillonner. Ouais, voilà, c'est ça. Crash par terre. Ouais. Notre camp, il est juste là, il n'y a personne. Il n'y a personne, comment ça? Il devrait y avoir des gens. Ouais. Non, je dis juste, il n'y a personne, quoi. Ah. Par rapport à là où on devait aller, la colline, tout ça, on est loin ou on est dans les parages? Et on vous a donné aucune indication sur la source sacrée, vous savez pas où c'est. Oui. Super. C'est génial, ouais. On aurait pu... Baran nous l'a montré, mais dans le monde féerique. Nous l'a montré, ouais. C'est ça Ouais. Vous pouvez me faire un test de survie, les uns et les autres. D'accord. Ah oui, vous l'avez montré, donc c'était censé être la même chose. Ah ouais.
On vous a pas dit précisément, on vous a pas sorti de carte. Mais on a oublié de demander où on devait aller, en fait. J'ai 3. Je suis nulle en survie de tout, mais j'ai de survie. C'est fou. Ils sont terribles. Ah bah, 3. 7. Oui, mais Darwin a fait 15. Heureusement que t'es là. Ouais, moi ça fait... Tu peux pas être totalement certain. Mais c'est a priori la même direction. La D'accord. distance, c'est difficile de l'estimer, là. Mais la direction... Mais en tout cas, en termes de points cardinaux, on est dans le c'est bien situé. Super. Bon. Et la topographie, bah, effectivement, il y a une colline, quoi, puisqu'il y a une cascade, il y a un petit peu de... Et il y a une grotte derrière la cascade, un truc comme ça Oui, oui, c'est le repère d'Oumpati. C'est peut-être là-bas dedans, en fait. Oumpati, ça vient d'où, ça, comme nom? Des gobelins. Moi, je peux faire une passive investigation. Pour repérer, c'est toujours repérer les passages secrets, etc., et ce genre de trucs. Oui, effectivement, ton intuition te titille, et tu te dis que derrière la cascade, la chute d'eau, il y a certainement un passage qui permet de... Il y a probablement quelque chose derrière. Non, mais allons-y, on va pas avoir peur de quelques gobelins, on vient de... Enfin, non, mais oui, il a dit que c'était du draconique, le nom. Hein. Ouais. Draconique. Ouais, donc ce qui est potentiellement un dragon. Moi, je sais absolument pas ce que c'est. D'accord, un dragon. Voilà, pas y avoir un dragon. Potentiellement, enfin. C'est pas un dragon qui. Un petit dragon. Un jeune dragon. Un dragonneau. Ouais. Mm-hmm. Après, c'est un pas des petits. Après, voilà. Vous dites ça devant le gobelin, il fait. Ouais. Oui, c'est un dragon, oui. Ah, qui est un dragon? Oumpati. Oumpati est un dragon. J'essaie d'aller en éclaireur quand même furtif. Ouais. Pour voir s'il s'agit bien d'un dragon dans la grotte et s'il est entouré d'ennemis ou pas. D'accord, très bien. Eh bien, vas-y, fais-moi un test de stealth, toujours, discrétion. 17 et 10, 27. Tu es discret. qu'est-ce que vous faites de vous à l'extérieur et puis qu'est-ce que vous faites de ce hobgoblin? Bah, on va l'attacher à un arbre. La et classique. Et l'oublier pour toujours. À tout à l'heure. Ouais. Je la connais, celle-là. J'ai un cousin qui est mort comme ça. Donc, il est attaché à l'arbre bien fermement. Ah, et est-ce... Moi, je me dis plutôt, est-ce qu'on ne le prendrait pas avec nous? Est-ce que ça ne peut pas être un bon... Une monnaie d'échange. Alors, une monnaie d'échange, à mon avis, le dragon n'en a absolument rien à faire. Ouais, c'est pas faux. Tu vois, c'est pas... Limite même, il peut le tuer juste parce qu'il a échoué, quoi. Je pense qu'on aurait un œuf du dragon, tu vois, là, on aurait une monnaie d'échange, mais là... Oui, c'est vrai. Ouais. Non, bon, quelque chose qui lui importe. Non, c'est ça. Accrochons-le à l'arbre. D'accord. Là, il baisse la tête. Il est déçu. Il est résigné. Ouais. Aodan, alors que tu pénètres dans la grotte et que tu progresses discrètement, il y a quelque chose qui te frappe. L'odeur est très acide. Ah. T'as l'impression... Comme l'odeur qu'il y avait sur les graines, enfin sur les épis. Ouais. Comme si on t'avait mis du jus de citron vraiment juste en dessous des naseaux. Quoi. Mm-hmm. C'est presque ça pique. Ouais, d'accord. Rien que de respirer l'air. C'est toxique. Ouais, c'est presque toxique. Et une deuxième chose te frappe, c'est la couleur de l'eau. Je vous avais dit tout à l'heure que les tourbières étaient un petit peu verdâtres, tirées un peu sur le jaune. Et là, c'est presque un vert lumineux. Comme un ver luisant, presque. L'eau. Proche de ce qu'on pourrait avoir dans le féerique. Ouais, ça pourrait être quelque chose de ce domaine-là. Très bien. Bah, je... Je ressors pour le dire. Vas-y, t'as tes compagnons qui sont devant l'entrée de la cascade. Je reviens de la grotte. Y a la même odeur et la même couleur qu'il y avait sur les épis de céréales putréfiées. C'est acide et c'est assez désagréable. À l'odeur. C'est clairement ici qu'il faut qu'on aille. Oui, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. Allons-y. Vous rentrez, est-ce que vous souhaitez être... première chose, est-ce que vous souhaitez être discret? Oh oui. Oui. Voilà. Donc dans ce cas-là, faites vos jets de discrétion. Effectivement, t'es à désavantage avec ta grosse armure. Et deuxième question, quel est votre ordre de marche? Voilà. Ah, donc 16 plus 4. Je propose d'aller... 20 pour Elish, combien? Je suis à 24. Toi, t'es à 24 et t'es toujours un peu en avance, parce que c'est votre, vous avez l'habitude. Moi, je suis à 7. 7, c'est un peu nul. 11. Ouais. 11. Très bien, c'est noté. Alors, et votre ordre de marche, donc on a effectivement Aodan, qui est toujours le premier, un petit peu en avance. Deuxième. Ouais, je vaut mieux que ce soit toi. Voilà, troisième pour moi, parce que de toute façon, je peux passer sans trop de problèmes. Voilà, moi je... Et Elish, voilà. Qui ferme la marche.
Si on t'entend plus jouer de ta flûte, c'est qu'il y a un problème. On essaye d'être discret, ça marche. Mais c'est mégame, ça va. C'est très harmonieux. Moi, régulièrement, je me cogne dans des rochers ou des trucs comme ça. Ah ouais. Mais ça va, c'est pas non plus... Tu hurles pas, ça va. En fait, sur le groupe, vous avez plutôt une réussite. Ouais. Vous avancez. Et toi, Odan, qui est en avance, la grotte, c'était comme une sorte de tunnel. Ouais. Et là, ça s'élargit. Et tu vois que ça fait une beaucoup plus grande grotte, au centre de laquelle il y a une étendue d'eau. Au centre de cette étendue d'eau, il y a une formation rocheuse, comme un petit volcan. Quelque chose de... c'est pas de couleur volcanique, c'est juste la forme. Et c'est creux. Mais couleur roche naturelle. Et un peu plus loin, pas loin de la paroi de cette grotte, tu vois effectivement un dragon vert. Non. En train de ronfler sur son trésor, sur une pile de pièces d'or et d'objets de valeur. Et il est en train de ronfler, de dormir. Un dragon ? Un dragon vert. Il fait environ 5, entre 5 et 6 mètres à vue de nez. Ok. On joue à Donjons et Dragons. Mais c'est la première fois que je vois un dragon, littéralement. Que souhaites-tu faire ? Qu'est-ce que je fais ? Déjà, je préviens les autres. Tu reviens en arrière. Vous voyez effectivement Aodan qui revient et qui a l'air un peu paniqué. Ouais. Vous n'avez pas l'habitude de voir ce regard-là. Il y a un dragon. Hein. Il y a un costaud. Là, non. Il dort sur un trésor. Je pense que si là on y va tous, on va le réveiller. Pardon. C'est très bien. Tu veux qu'on y aille en un? Non, mais je vais après les autres. Je pense qu'il faut qu'on y aille les uns après les autres, avec le plus de discrétion l'un possible. L'un après l'autre. Alors, est-ce que toi, tu n'as pas un léger avantage quand quand tu frappes moi, je peux, une je créature endormie, par exemple? Si, bien sûr. Et je suis content que t'en parles. Est-ce que c'est pas ta spécialité? Si, mais tu sais, j'ai eu des petits problèmes de confiance en moi dernièrement. Depuis le saut. J'y retourne. Excusez-moi, j'y retourne. Donc, mais mettez-vous d'accord sur comment vous procédez, peut-être. Non, ouais, il faut d'abord qu'on investisse le lieu et ensuite que tu lances l'attaque. Parce que si elle loupe, oui. Et que je le réveille... Bah, de toute façon, il faudra bien se battre. Quoi qu'il en soit, c'est certainement lui qui empoisonne la source. Excusez-moi, ce serait pas le moment de boire quand même un petit verre de whisky, parce que si ça se trouve, on n'aura pas le temps après, quoi. Est-ce que ça ne nous donnerait pas du whisky? C'est vrai que... Tu débouches la bouteille de Tourmandine. Ouais, merci. Je dirais pas. Je bois une gorgée de whisky. De même. Très bien. Je les suis toujours un peu. Un point d'inspiration pour toi. Merci. Tiens. On sait jamais, hein. Effectivement, c'est puissant. Il y a vraiment un effet assez fort, ça vous chauffe littéralement la gorge. Mais quelques secondes plus tard, une farandole d'arômes dans la bouche. C'est succulent, c'est vraiment délicieux. On va avoir avantage sur tous nos jets. Non, c'est juste de la description. Il y a de la vanille aussi, non? Moi, je sens un petit goût de vanille. Un petit goût de banane. Il y a de la vanille aussi, parce qu'on chuchote quand même. Ok, et la grotte. Moi, je me sers de ma discrétion. Vas-y. Pour aller tranquillement le tuer pendant te son mettre, sommeil. Te mettre dans un endroit très discret. Très discret. Je me cache effectivement dans un endroit très discret et je vais le. Fais-moi ton jet d'initiative alors que je vais chercher quelque chose qui va vous aider visuellement. Le dragon est ici. Oh, wow. C'est mon premier dragon. Ouais, il est beau. Hein. Ouais, j'en connais un en coulisses qui est très jaloux. Que vous avez peint pour D&D Celebration. Tout à fait, c'est celui que il est beau, hein. Julien il est beau. Et Jirio ont peint. Il est très très beau. Si seulement Dithmir est avec moi. Je ne sais pas de qui je parle, mais... Alors, Aodan, je te laisse te placer où tu veux. Et donc, comme vous voyez au centre, il y a une espèce... Bon, là, il est réveillé. C'est une souche de roche qui dort. Pour l'instant, il dort. Ah, parce qu'il va se réveiller un moment, peut-être. Ouais. Ça dépend de ce que vous ferez. Sauf ou si... alors il va mourir avant, avec un peu de chance. Je me cache derrière le cratère. Très bien. On arrive de là, oui, on arrive. Ouais. Vous arrivez... Oh là là.
Vous arrivez d'ici. Ah non, on arrive d'ici, d'accord, ouais. Exactement. Oui, bah, je me cache derrière le cratère. Qu'est-ce que je bande mon arc. Ouais. Tu te concentres. Je me concentre et je vise. Je vise son, un de ses naseaux. Ouais. Direct, comme ça. Et donc, ça. Justement, ouais. Comme. Il va être de très mauvaise humeur. Ton adversaire est endormi. Ouais. Tu vas avoir. Sneak attack. Sneak attack automatique. Et attends, il y a une autre règle. C'est avec, crit automatique. Avec assassinat. Je crois que c'est un critique automatique. Oui. Et donc. Oui, donc, t'as pas besoin de jeter les dés pour toucher, je crois. Si. Si, mais l'attaque c'est est forcément si tu touches, un critique. Ouais, voilà, c'est, si tu touches, c'est forcément un critique. Donc je te laisse faire d'accord. Ton attaque. 9. Et avec avantage, 9 et 7, 16. Ah oui, t'as ton avantage. Ah oui, c'est vrai. Si jamais tu fais un... Ouais, bon. Ah, bah, voilà. 17. On est sur du 24 du... plus... et après, je fais mes 3... Alors. Mes 4 dés de 6. Donc tu touches. Et donc ouais. Là, c'est un critique automatique. Normalement, oh là c'est là. 4 dés de 6, mais comme ouais. C'est un critique, tu doubles ton nombre de dés. Donc c'est 8 dés de 6. Wow. Ah ouais. Donc je les lance deux fois en fait. J'en ai 4 là. Ouais, je pense que tu peux en trouver plus. Tu peux en trouver 8 au total. J'en ai 2 à prêter. J'en ai encore 2 là. Ça m'arrangerait pas que tu one-shot un dragon. Un dragon. Alors. Enfin, ça m'étonnerait surtout. Mais... avec une flèche en plus. Ouais. Avec une pauvre flèche. Allez, salut. Ouais, mais tu vois, bien dans la narine, au bon endroit dans le cerveau. Jusqu'au cerveau et hop. Il reste endormi, j'ai 28. Donc 28. Et tu rajoutes 4 de... Plus 4, 32. 32 de dommages. Très bien. Eh bien... 32 de et dommages. Juste ouais. Personnellement, je profite en fait du moment où il décoche sa flèche ouais. Pour schister. Tout à fait. Directement. Et bah, lancez l'initiative, s'il vous plaît, chers amis, maintenant que c'est... Ouais, reprendre mes caractéristiques animales. Ouais. Wow. Yes. Là, je vais te dire, ça shift et pas qu'un peu. 22. Alors, attendez, une seconde. Ouais. Voilà. Pareil. Ah oui, t'as fait tes dommages. C'était 32, tu m'as dit, et t'as plus 7 avec ton arme. Hein, puisqu'on ajoute aussi ton bonus de dextérité et le bonus magique. Ah oui, c'est ça. Puisque ton arc est magique. Donc plus 7 points de dommages. Donc ça fait 39. Ça fait un beau total de 39. Bravo. Donc joli. Effectivement, ta flèche est venue s'enchasser directement dans sa narine. Et s'est enfoncé quasiment aux deux tiers de la longueur. Mmh. Et immédiatement, oh, ses yeux s'ouvrent. Et vous voyez une lueur jaillir jaune très très claire, extrêmement perçant, dans cette caverne qui est a priori, qui était jusque-là assez sombre. Et oh, il s'étend, il fait montre de toute son envergure en poussant un hurlement. Draconique, et vous voyez que sa gorge est en train de s'éclaircir d'une lueur jaunâtre également. Et vous m'avez dit vos initiatives, je vais refaire le tour, pardon, à Odan. Alors 12. T'avais plus 9, ça fait 21. C'est ça. Très bien. Attends, mais c'est ouais, il a un feat qui. Dawin, t'avais fait combien 22. 22. Oh, le salaud. Et tu as shifté. Ensuite, c'est ouais. Elish. Tu as fait combien, toi, en initiative? C'est où, déjà, l'initiative, là? C'est à côté de la classe d'armure. What the hell... Bon, de toute façon, j'avais à droite de tes compétences, tout en haut. Ah oui. Du coup... Ouais, oui, d'accord, 7. 7. Oh, c'est pas ouf, hein. Oui, écoute, je suis pas là pour juger. Attends. Sheila, qui est toujours en dernière. Ça fait 3. 3, allez. Putain, c'est fou, tu fais vraiment des jets terribles. Oui, mais tant que je fais les bons pour attaquer, normalement... Ça, c'est vrai. Ce sera donc ouais. À Dawin de jouer en premier. Je fonce vers lui. D'accord. Je sais pas combien de déplacements ça me prend. 4. 4, donc voilà, je fonce vers lui. Je reste à une case de lui, en fait. Ah. Une case de distance. D'accord. Je ferme les yeux, parce que j'ai 3. Trop peur de voir ce qui va se passer. je relance mes bras, en fait. Qui apparaissent et qui vont du coup le viser directement, parce qu'il n'y a personne d'autre. Il faut qu'il fasse son jet de sauvegarde de dextérité. C'est un jet de sauvegarde de dextérité, très bien. Difficulté combien? 15. Et j'annonce un 23. Oh, joli. Donc c'est réussi. Donc ça lui fait rien. Ça lui fait rien du tout? Non, c'est même pas demi-dommage, c'est tout en fait, pour rien. En fait, en réflexe, il agite son cou draconique. Vous voyez les écailles luire dans le peu de lumière qu'il a dans cette grotte. Et les deux bras... de présence astrale de Dawin passe complètement à côté. Ouais, ça devrait le faire. Du coup, je vais faire mes attaques. Je vais faire mes deux premières attaques, enfin ouais. Mes deux attaques. Il te reste du mouvement, si tu veux. Ouais, justement, c'est pour ça. D'accord. C'est ce que je vérifiais.
Tu te mets où? J'ai pas besoin, en fait. J'ai 5 feet de range. 5 feet de range, avec les bras. 17 plus 7, 24. 24, tu touches. Ouais. 24, je touche, donc c'est 1 des 6. Plus... Bon, c'est 1 plus 4, 5. Est-ce que les dégâts sont considérés comme magiques? Oui, c'est des dégâts de force. Ok. Ah, c'est bien de le... Oui. Très bien. Le deuxième, 18 plus 7, 25. Ça touche. 6 dégâts. 6 dégâts de force. Et très bien. Je vais me déplacer pour me mettre derrière. Normalement, ça devrait aller. Je devrais avoir. Derrière lui? Non, derrière le petit cratère. Le cratère? Là? Non, le cratère. Là. Celui où est Aodan. Ah, ici, là? Ouais. D'accord, donc là, tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux aller là. Voilà. Ça te va? Très bien. Bon, tu as les pieds dans l'eau, hein, par contre. Tout à fait. C'était un difficile quand même parce que l'eau. Ah non, toi, t'es pas affecté par ça. Et oui, les moines sont très forts. Et oui. C'est à Aodan de jouer maintenant. C'est à moi de jouer. Ouais. Est-ce qu'il y a assez de hauteur sous plafond pour que je puisse m'envoler? Oui, tout à fait. Alors je m'envole. Ouais. Et tout n'est pas représenté, hein, bien sûr, mais évidemment, il y a des formations rocheuses un petit peu partout, donc potentiellement tu pourras te cacher. En action bonus si tu le souhaites. Donc je m'envole. Et j'ai vu aussi en action bonus que je peux utiliser deux armes en même temps, apparemment. Mais ce sera plus difficile. C'est plus compliqué, je pas d'utiliser. C'est pas logique, quoi. Alors, je m'envole et je vise évidemment à nouveau la tête du dragon. Tu te caches d'abord? Oui, je me cache, bien sûr, je me cache. Fais-moi un jet de stealth, s'il te plaît. Alors, 9 et 10, 19. Mais il a suivi ton mouvement et il sait très bien d'où tu viens, donc tu n'auras pas d'avantage. Et donc, tu ne pourras pas faire de sneak attack. Mais fais ton jet pour toucher quand même. Il t'a suivi du regard. 19. 19 et 7. 26. 26, tu touches. C'est beau. Je vais te faire les dommages. Un dé de 6 plus 7. À ce niveau. Donc 4 et 7, 11. 11 points de dommage alors qu'une flèche vient se loger dans sa chair, sur le côté. Il pousse un petit cri, comme vous l'avez entendu. Et il est tout à fait conscient de où tu te trouves. Ok. T'as fait action bonus, action, ouais, j'ai tout fait. Mouvement, tout est fait, c'est à lui de jouer. Et lui. Aïe, aïe, aïe. Mince, je pensais que j'aurais le temps de bouger avant. Ah, j'ai oublié. Donc j'avais le souffle qui arrive. Toi, il t'a pas vu, il t'a pas vu. Ouais, moi, il m'a vu. Où est-ce que vous êtes situé? Les dégâts de zone. Moi, je suis en l'air, donc. Ouais. Tra, j'ai peur. C'est dommage, j'avais une belle initiative, là, j'avais des trucs cool, mais... Il va se déplacer. Ah. Ah non, attends, il va voler. Oui, voilà, il va voler, il fait à peu près ce qu'il veut. Ah, j'aime pas trop ça. Il prend son envol et il vient se placer là, en hauteur, pardon. Ah, donc il est dans les airs, là. Ouais. Il est dans les airs. Ah ouais, j'aime pas trop. Il prend un angle que toutes les personnes qui utilisent des arcs et des flèches voient comme quelque chose d'extrêmement désagréable. Mmh. Et là, donc sa gorge, lui, de plus en plus fort, de plus en plus clair, un jaune presque comme quand on regarde le soleil directement. Et soudainement, il ouvre la gueule et il y a un souffle d'acide qui se déverse sur vous. Il faut que vous me fassiez, s'il vous plaît, toutes et tous, un test d'esquive. Si, c'est un jet de sauvegarde de constitution. Saving throw, c'est ça Okay. Constitution. Voilà, oh là là. 16. Pas d'accord, 12. Oh là là. Alors, attends. Je vérifie, hein, mais... Garde les bons jets pour les choses importantes. On a des... C'est tout à fait un jet de constitution. De jet de sauvegarde de constitution. Oh, j'aime ça. Et donc, du coup, je rajoute plus 2, c'est ça, quand... Ouais. Toi, c'est plus 2. Ah, c'est le petit truc en dessous, ouais. Bah, 5. Mm-hmm. 11. C'est l'éclat. Il n'y a que toi qui réussis, donc tu prendras la moitié des dommages. La difficulté, c'était 14. Et vous prenez tous, donc, un certain nombre de points de dommages de poison. Mais moi, j'ai la réaction... excusez-moi. Moi, j'utilise ma réaction, du coup, je peux... Tu utiliseras ta réaction pour faire Uncanny Dodge. Tu prendras seulement la moitié des dégâts que je vais vous dire. Combien de dés tu prends, Lucien, s'il te plaît? Beaucoup trop. Ouais, les mains sont trop pleines. Trop. Sauf que j'ai vu le live la dernière fois, parfois il prend 1000 dés pour en lancer moins quand même. Écoute. Aïe, 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 aïe. Ouh, le jet d'acide là.
Alors. Ah, il bluffe. Tu bluffes, Martin. Tu bluffes, Martin. J'ai pas un tueur de dragon dans mon. Dans le pauvre, peut-être que ce dragon était très gentil, tu vois. Oui, peut-être on pouvait parler avec. Vous subissez 44 points de dommages d'acide. Vous pouvez les réduire à moitié si vous faites Uncanny Dodge et toi, parce que tu as réussi ton jet de sauvegarde. Attends, de mais c'est les hit points, c'est ça là ? Ouais. Ah bah, je tombe. Bah, je suis au sol. Alors, moi, vous avez des potions. Je fais Uncanny Dodge, du coup. Ouais. Tu utilises ta réaction, tu te plaques derrière une stalagmite. Juste à côté de toi, tu prends la moitié des dommages. C'était combien ? C'était 44, donc tu subis 22 points de dommages d'acide. Heureusement, parce que sinon j'étais... Toi aussi, tu subis. Ah oui, t'étais fini pile poil. 22 points de dommages d'acide, c'est pas grave. Allez, je vous montre le cône. C'est pas grave, parce dit-il. Non, ce qui est pas grave, c'est que je l'avais préparé. Ah. Voilà. Ah oui. Voilà. Tous plutôt dans le... On est dans le rayon, ouais. Dans le prisme. Non. Ouais, c'est un bon con, quoi. Ouais, ça fait 30 pieds. Donc ça, c'est la fin de son tour. Hein. Bah, c'est génial. Et maintenant, c'est à Eilish. Tu vas me faire un dé de 10, un dé de 20. Et si tu fais à partir de 10, tu réussis ton jet de sauvegarde contre la mort. Si j'avais su que ça se passerait comme ça. C'était pas du tout mes plans. On est avec toi. T'inquiète, allez. C'est pas fini. Bah. T'as fait combien ? Bah 5. C'est un échec, tu peux cocher déjà une case d'échec. Failure. Attends, c'est où échec ? T'es à 0 de points de vie. Ouais, je suis à 0, ouais. Ouais. Le seuil est présent. Effectivement. Ah, d'accord. Oui, voilà. Effectivement, ça apparaît. Et du coup, Alors, je vous explique la règle si vous la connaissez pas. D'accord. Quand tu es à 0 points de vie, quand c'est ton tour, t'as aucune action puisque tu es inconsciente ou inconscient et il faut que tu fasses un jet comme vient de le faire Trinity. D'accord. Si c'est un échec, tu as raté ton jet de sauvegarde contre la mort. Je peux rien faire. Si c'est si c'est au-dessus de 10 ou plus, tu l'as réussi. Au bout de 3 réussites, tu es stabilisé, tu as toujours 0 point de vie mais tu ne risques plus, ton processus vital n'est plus engagé. D'accord. Au bout de 3 échecs, tu c'est l'arrêt cardiaque quoi. Et quand tu fais un 1 naturel à ce jet, c'est 2 échecs. Quand tu fais un 20 naturel, c'est 2 réussites. D'accord. Non, c'est tu te réveilles automatiquement. Ah oui, le 20 naturel, tu te réveilles, t'es à 1 point de vie. Ok, t'as eu une piqûre. Merci de l'avoir rappelé. Donc, Eilish, pour l'instant, t'as 1 échec sur tes jets de sauvegarde. Alors là, ça va, c'est parce qu'on est dans un one-shot, mais quand ça fait des mois que tu joues avec ton perso, là, c'est les moments compliqués. C'est maintenant Achille. Donc toi, juste à côté de toi, il y a ta compagne qui... Bien sûr, je suis absolument... choquée, mon amie est au sol, donc je me presse vers elle et je lui administre une potion. Vas-y. Donc ce sera ton action, malheureusement. Parce que de boire une potion, moi, je fais la règle de ça prend qu'une action bonus, mais de donner une potion à quelqu'un, ça prend une action complète. Excuse-moi, qu'est-ce que je suis censée lire là ? C'est les chiffres qui sont en bas. Tu fais une divination. Donc t'as fait 7, plus 2. C'est des runes. Non, repose. Regarde, ceux qui sont près du sol. T'as fait 4, plus 3, 7. Ah, excellent. Voilà. 7. 7 plus 2, donc c'est 2 dés de 4 plus 2, les potions de soins. Mais maintenant, elle est utilisée. Évidemment. Donc tu récupères 9 points de vie immédiatement. Ah, très bien. Je peux me déplacer quand même, du coup. Tu peux te déplacer, tu peux faire une action bonus aussi. Donc t'es debout, mais tu peux potentiellement pour faire second wind, second souffle pour récupérer des points de vie. Tout à fait, je peux... Récupérer 9 points de vie. Aller me cacher dans cette souche, là ? Cette souche ? Ce cratère. Ça, à l'intérieur ? Ouais. Oui, tu pourrais essayer. Donc, en déplacement, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je te le permets. Tu essayes de te cacher. Allez, je te laisse. Non, tu vas pas pouvoir te cacher vraiment. Ah ouais ? Non, parce que ça, c'est une action bonus chez les roublards. Tu mets un truc qui ressemble à. Ah oui, non, oui, pas de. Ouais. Enfin, là, tu arrives et tu vas pouvoir t'y enfoncer, mais à ton prochain tour. Là, c'est mon crâne de l'acide dessus. Tu es rangé. Quoi ? Là, ça lui fait un abri, du coup. En fait. Ouais, ça te fait tout à fait un abri. Effectivement, tu es à couvert. Oui, c'est ça. Mais tu ne pourras pas être considéré caché comme un roublard. Ah non, je ne veux pas être caché, je vais être à couvert, pardon. Ok, très bien. Bah, tu es rentré dans le. Trop bien. Et je vais faire. Second souffle. Second souffle, action de bonus. C'est 1 des 10 plus ton niveau, plus 5. 1 des 10 plus mon niveau. Ouais, et maintenant c'est à Daywin à jouer. Super. Et ensuite ce sera à Odan. Moi je vais faire un jet de sauvegarde. Donc, un jet de sauvegarde contre la mort. Je récupère 2 échecs.
T'as fait un naturel? Ouais. Ah là là. En fait, toi, tu t'es... Pareil, il est tombé à zéro. Toi, tu t'es écroulé dans l'eau. Et bah, t'es un petit peu en train de t'étouffer. Tout simplement, il y a de l'eau qui commence à rentrer dans ta gorge. Et au lieu de te réveiller, tu entends que... toi, t'es en train de te planquer dans cette formation rocheuse et tu entends ton collègue Dawin qui est vraiment très, très, très mal en point. Aodan, c'est à toi de jouer. Bah moi, je peux pas supporter que Dawin soit en train de patauger dans la boue. Donc tu redescends? Donc je redescends vers lui en essuyant une larme avec mon aile. Ouais. Et quand j'arrive à sa hauteur, je lui dis, t'en fais pas, Dawin. Et donc là, les chiffres qui sont en bas, donc c'est 3 et 2. 3 et 2 plus 2, donc ça fait 5 plus 7. 2, 7. Tu reviens à 7 points de vie, donc tu lui administres sa potion. Ah, il reprend un souffle de vie alors que tu es en train de le maintenir hors de l'eau. Et tu craches de l'eau qui a un goût extrêmement acide maintenant que tu reprends tes sensations. Ouais. Et effectivement, toi, tu as les serres dans l'eau aussi et tu sens que ça c'est commence corrosif. À m'attaquer. C'est un peu corrosif. Ça fait pas de dommage à proprement parler, mais c'est vraiment une sensation désagréable. Donc ça, c'est ton action. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus? Une action bonus, je me cache. Il te reste du mouvement. On peut considérer que tu finis ton mouvement là et que tu vas essayer de te cacher là. Je te fais un jet de stealth, s'il te plaît. Ensuite, ce sera au dragon et ensuite, ce sera à Eilish. Bon, c'est sorti. 14. 14. Si possible. Je vais faire un jet. Il a fait un vin naturel. Il te suit du regard, t'inquiète pas. C'est à lui de jouer. Il est trop chaud le dragon. Ouais. C'est à lui de jouer, justement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? J'adore quand je l'entends là. Ouais. Moi, je suis pas fan. Il va s'approcher de vous deux. Il fondre sur vous. De qui? De qui? Pardon, Aodan et Sheila. Oh non. Dawin est encore accroupi dans l'eau et il le considère pas comme une menace. C'est et il va faire. Je pense être à l'abri. Tu es à l'abri, hein. Tu as un bonus de. Là, on va considérer que tu as une couverture importante, donc un bonus de plus 5 à la classe d'armure. C'est comme si tu avais plus 5 de classe d'armure. Donc au lieu de 19, tu auras 24. Et justement, il va faire deux attaques contre toi avec ses griffes et une attaque de morsure contre toi. Oh non. Parce qu'il a pas aimé que tu essayes. Ouais, morsure, c'est mieux classique, c'est sûr. Donc morsure, je fais 20 pour toucher. Moi, j'ai les plumes, laisse tomber, ça ressemble plus à rien. 20 pour toucher, ça touche, je crois, hein, face à 15 de classe d'armure. Ah, pardon, moi, non, 15, ouais. J'ai 15, moi. Donc ça touche, tu subis 14 points de dégâts, de piercing damage. Alors, je prends ma réaction, hein, toujours. Pour Uncanny Dodge, oui, tu peux, bien sûr. Tout à fait, tu prends la moitié de ces dégâts-là. Donc c'était combien, tu m'as dit? 14, donc tu prends 7. Et maintenant, les deux attaques sur Sheila, qui est très bien cachée dans son cratère, mais quand même, c'est peut-être pas suffisant. La première, je fais un naturel, donc c'est un échec de toute façon. Et la deuxième, je fais un total de 25. Oh, t'es un bâtard. Bah, j'ai fait 18 au dé. Je suis à 24. C'est pas moi, c'est les dés, Lisa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle m'insulte! Mais il a sorti tes meilleurs jets de dés avec le dragon. Non, mais tu sais, mais j'ai eu un espoir, il a fait un 1 et après il me fait. Non. Allez, combien il fait avec sa griffe là? Il fait pas tant que ça. Il fait 7 de dommages de slashing damage. Ah, ça va. Marche. Ça va. Nico, pardon. Oui. J'ai des dommages supplémentaires pour toi puisque tu es. Je t'ai fait des dommages, hein. Ouais. Donc je vais te faire des dommages de poison maintenant, parce que sa morsure est empoisonnée. Ah bah yes. Pardon, j'avais oublié, et ça te rajoute malheureusement 7 points de dommages, de poison. Et ça, j'ai pas le... Là, tu n'as pas d'Uncanny Dodge là-dessus, et tu l'as déjà utilisé en fait. Exact. Attends, c'est sur la même attaque, on va considérer que ça s'additionne. Si, vas-y, mets-les en moitié. Oui, parce que c'était sur le total en fait que je pouvais diviser par deux. Normalement, c'est sur le total. Tu dirais la même chose, ça? Ouais. Ouais. Alors du coup, si c'était 7, je mets quoi? Il n'y a pas 3. C'est cool d'avoir un MJ à la table parce que je peux dire, on a raison. Ouais, on a raison. Allez, c'est cool. C'est arrondi à l'inférieur toujours. Ah ok. Ouais. Donc c'est 3 alors. Ouais, c'était 14 plus 7, 21. Donc tu divises par 2, c'est comme si c'était donc 10 au total. Ok. C'est à Eilish et ensuite ce sera à Sheila. Ok, je peux me déplacer jusqu'à qui là? Je peux aller jusqu'à... Jusqu'à Aodan, aisément. Au moins. 1, 2. Ouais.
3, 4, 5, jusqu'à Sheila aussi, mais Dawin est hors de portée. Tu veux faire un Cure Wounds, c'est ça? Ouais. Je vais faire un Cure Wounds en level 2. C'est ouais. Quoi? C'est un sort de soin. Ah, tu nous... Oui, un Cure Wounds. Je vais vous heal. Donc t'es là et tu tends une main sur le dos de ton alors, de ton compagnon. Alors qui est ton plus mal là en vrai toi ça va je peux. Ouais. Dawin il est ouais, pas mais bien. Je peux pas, le problème c'est que je peux pas toucher. Oui, je suis obligée. Moi je suis à 12, j'ai 12 points. Toi t'es plus mal. T'es plus mal, ok donc je lui fais. Ouais. Donc tu coches ton emplacement et c'est niveau 2. Ouais je le fais en niveau 2 comme ça il reprend bien. D'accord vas-y je te laisse tirer les dés. Donc je dois tirer. Ah oui, non, c'est 2d8. 2d8 plus quelque chose, plus 4. Plus parce que c'est ton bonus 4, de charisme. Exactement, 2d8 plus 4. Donc là, Elish s'approche, incante, fait un petit chant dans 8, entre 5 ses lèvres. Et 4. 9 et 8. Donc 17. Ah ouais! 17 tu récupères. Tu m'as donné 17. 17. Merci. Elle incante tout en chantant une petite mélopée et pose son bras sur le dos de Daodan qui est infusé de vie. Tu sens la vitalité qui revient. Je suis là. Ça, c'était ton action. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus? Bien sûr. J'ai un Healing Word. C'est un soin léger. Malheureusement, on ne peut pas faire deux sorts dans le même tour. Aïe. En revanche, tu peux faire une inspiration bardique. Exactement. Si tu je vais faire une petite inspiration bardique. Qui peuvent vous servir au jet de sauvegarde. Si jamais vous les ratez. Attends, qui est dans le... Alors, la personne qui a été, je pense, la plus amorflée, c'est Dawin, mais effectivement, c'est Sheila qui attaque juste après. Je te mets l'inspiration bardique, du coup. D'accord. Voilà. Donc, tu joues un petit air de flûte, une petite suite de notes. J'entends dans l'abri. Et tu la connais par cœur, cette suite de notes. J'adore, ça me rappelle notre enfance. C'est ça. C'est celle de la vitalité, de la vigueur et de l'ardeur au combat. C'est justement ton tour. Est-ce que tu souhaites... Il te reste 4 cases de déplacement. Est-ce que tu veux t'en aller ou faire quelque chose Je veux m'en aller. Là, ça m'inspire. Là. Bon, écoutez, moi, je vais tenter quand même de me mettre derrière le petit talus. Voilà, histoire donc là, que... Donc là, t'as fait un de déplacement, deux de déplacement, 3, 4, 5... Ouais, tu veux voilà. Te mettre là? Ouais, je veux me mettre, bah, tu vois, genre vraiment là où le dragon ne me voit pas, en fait. C'est vrai. Voilà, dans cette on va considérer que tu as un abri partiel si jamais il fait une attaque de souffle. Voilà, là, je suis bien. C'est donc à Sheila, maintenant, qui va sortir de son petit volcan. De son petit volcan. Et je vais l'attaquer à l'épée à deux mains. D'accord. Tu t'élances. Je vais utiliser l'inspiration bardique, c'est pour toucher pour les dommages, pardon. C'est pour toucher, mais tu peux le faire après avoir jeté ton dé. Donc, ça se trouve, t'en auras pas c'est besoin, beau. Tu le gardes pour plus tard. C'est beau, j'ai fait un naturel. Oh non. Ce sera forcément un échec, même si tu rajoutes. Ouais. Un naturel, tu m'en veux, peu importe. Ce soir, les... Mais non, c'est les dés qui t'en veulent, c'est pas moi. Ouais, c'est les dés, ouais. Donc, tu peux faire ta deuxième attaque. Je vais faire ma deuxième attaque. J'ai fait un 20 naturel. Oui. Ah bah tu vois, 20 naturel, voilà. Donc c'est merci un critique, bravo. Et bah tu naturel, lances ça reste un peu moins sur l'estomac en plus. Un 20 naturel. 2 de 10, j'ai fait 8 plus, pas 2 fois 6. Non. Non, ok. Donc j'ai fait 8 plus, donc 14. Tu peux éventuellement faire une manœuvre pour ajouter des dégâts, n'oublie pas. Ah. Je peux faire tu peux en faire, manœuvre. Souviens-toi, celle qui provoque. Goading attack. Ouais, ah oui, c'est vrai. Il parce aurait que des je peux avantages. L'utiliser juste pour faire des points en plus. Oui, t'as raison. Ouais. Et en plus, oui, d'accord. Je vais faire goading attack. Voilà. Raison. Donc là, c'est pour expliquer à tout le monde ce que fait Sheila. Elle a une manœuvre parce qu'elle est battle master, c'est une sous-classe de guerrier, et elle utilise une manœuvre pour en gros faire une grosse attaque. Tu peux ajouter un D8 de dommage d'ailleurs. C'était combien? C'était 14. C'était 14 et ça fait 18 maintenant. D'accord. 18 points de dommage, slashing damage sur ce vilain dragon vert. Et pour le provoquer, pour lui faire un coup de menton, genre, et alors, hein, c'est qui le plus fort? Et justement, le dragon, à la suite de ça, il faut que j'ai envie de le provoquer. Il faut que je réussisse un jet de sauvegarde de Wisdom, difficulté combien? 15. Parce qu'elle le provoque, elle essaye et voir si il mord à l'hameçon. Mmh. Et j'ai fait 6 sauts de dés, oui, j'échoue. Donc, le dragon aurait des avantages s'il essayait d'attaquer qui que ce soit d'autre que Sheila. Voilà. Nice. Donc, en fait, elle a attiré son attention en lui faisant bien, bien mal et en le provoquant, genre, ça. Alors, attaque-moi si t'es un dragon. Vas-y, attaque-moi, sauf que je vais continuer à t'attaquer. Tu fais action surge. Continue de le provoquer. Bah, bien et donc, sûr, tu as deux attaques supplémentaires, vas-y. Ah, on met tout, là.
On met tout. J'ai aussi mon inspiration que tu m'as donnée, mon point d'inspiration. Bah, tu pourras l'utiliser à tout moment. Hein. Je fais 18 pour toucher. Tu fais 18. Il n'y avait pas un effet sur les critiques avec ton don slasher? Je crois qu'il y a Mais j'ai pas fait slasher, là. Le slasher, c'est automatique, en fait. C'est quand tu utilises une arme slashing damage. Donc oui, tout à fait. Alors, sinon, je viens de me souvenir de ça. La bête aura des avantages à toutes ses actions du tour. En plus, même si elle t'attaque, toi. Merci. Il faut s'en souvenir. Donc, en gros, t'as donné un énorme coup. Réservez-moi du whisky, les gars. qui lui a entaillé un tendon d'une de ses pattes avant. Mmh. Et elle pousse un grand cri de douleur et elle boite un petit peu. C'est bizarre de voir une bête aussi grande et aussi majestueuse. Un peu pitoyable. Mmh. Comme s'il boitait un petit peu, comme si vous avez un 1% d'empathie pour cette créature. Mais je te laisse. C'est mi-fascinant, effrayant, mi. Bon, bah c'est ouais. ça. Et je te laisse continuer avec ton action surge. Tu peux faire tes deux attaques supplémentaires. Donc j'avais fait 18 pour toucher. Hein 18 pour toucher, tu touches. Excellent. Attends, je fais le deuxième. Et je fais. Ah non, là, je peux pas utiliser mon inspiration. Si, tu peux utiliser un des 8 pour ajouter. Non, non. Ah, pardon. Ah, si. Vas-y, c'est bon. Si le résultat est mieux. Oui, c'était. Là, c'est 21. 21, tu touches. Je te laisse faire les dégâts, donc c'est deux attaques. Deux attaques, un des 8 plus X. 10, parce que c'est. Ah oui, un des 10, demain. Pardon. À deux mains. Excellent, 16, première attaque. Ah oui, dommage maximum. Et 9. Waouh, tu me fais un de ces tours. Incroyable, j'ai pas gardé le compte, mais. Et 9. C'est 9, ouais. Il est très très mal en point. Vous voyez Sheila comme vous la connaissez. Ouais. Quand elle se lâche, il y a plus rien qui compte, juste de faire couler le sang. Et vous voyez justement son sang vert vif qui jaillit de ses plaies et il pousse des cris, des grognements alors que Sheila est en train d'essayer de le tailler en pièces et il a l'air quand même d'être assez mal en point. Ensuite, donc là je pense que c'est la fin de ton tour. Et c'est maintenant à Dawin de jouer. J'ai une petite gifle. N'oublie pas que tu peux bonus action prendre une potion si t'en as besoin. Ouais, tout à fait. Techniquement, j'en aurais besoin, mais je vais commencer par aller vers lui. Je veux cogner. Non, mais il m'a fait mal. Moi, je suis pas Quand content. Quand tu tombes inconscient, est-ce que tes bras disparaissent? C'est ce que j'ai regardé. Non, ça dure 10 minutes. Ah, très bien. C'est vraiment fort, voix du... de l'astral. C'est juste, ouais, c'est ça. Je me déplace approché. Juste d'une ou deux cases, juste histoire de... Ah oui. Mais là, pour pas être totalement au contact... Si, totalement au contact, par contre. Pardon. Si. Et tu te mets plutôt derrière lui? Bah, je vais mettre en tenaille, ouais. Ouais, comme ça, t'auras l'avantage, effectivement. Vas-y. Première attaque. 6, c'est 7, 15. C'est pas... Non, 15, c'est pas suffisant. Non. T'as plus d'inspiration bardique, non? Elle a déjà... Non, bah non, j'ai plus d'inspiration. Ah bon. Deuxième attaque. Merci, d'ailleurs, pour ton chant, mon ami. 18 et 7. 25. 18 et 7, 25, ça touche, oui, bien sûr. Ce qui me fait 4 et 4, 8 points de dégâts, de force, toujours. 8 points de force, très bien. Je vais utiliser mon action bonus pour l'attaquer. Ah, tu l'attaques? Ouais. Ouais, c'est en fait, les moines ont droit, quand ils utilisent ce genre des armes auxquelles ils sont habitués, de faire une action bonus d'attaque juste de corps à corps. Ouais, 17 plus 7, 24. Ça touche. 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, bon, c'est pas mal quand même. Et j'utilise un point de ki pour faire Flurry of Blows. Flurry of Blows, je m'attendais, j'attendais, je me disais quand est-ce qu'il va sortir. Mais ouais. Donc c'est un déluge de coups. Vous voyez ces points, et ça devient flou tellement il est rapide et tellement il y a de coups qui tombent dans les flancs de ce dragon vert. Et tu fais 18 et 7, 25. 25 pour toucher, tu touches, je te laisse faire les dommages. Et 6 points de dégâts supplémentaires. 6 points de... c'est toujours de force? Toujours de force. Oh là là. Ah, c'est puissant. Et il pousse un grand cri, mais il n'est pas terminé. Je vais bouger. Et il ne peut pas me faire d'attaque d'opportunité. D'accord, parce que... Je crois que c'est mon don, en fait. C'est mon don de mouvement qui me permet ça. Ah oui, t'es immobile. Ouais. Oui, tout à fait. Et juste dernière chose, je vais dépenser un deuxième point de ki. Parce que celui-là, j'avais oublié pour faire un Stunning Strike, en fait, avec mon Flurry of Blows. Il faut que je fasse un save de Constitution, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Il faut en Constitution. C'est combien? 15. 16. Désolé. Ça ne c'est fonctionne pas, grave, pas. Ça ne fonctionne pas, mais... Ça, c'est quand tu fais typiquement, genre, plexus solaire, et après... Et en fait, il perdrait toutes ses actions.
mais donc, il a raté. Tu perds ses actions carrément. Ouais, ouais. Je vais me redéplacer. Non, je vais me redéplacer pour aller du côté de ma petite barde. Histoire par ici, genre, soignez-moi s'il te plaît. Exactement ça. Je prends le maximum de vie. Je te ferai à manger. Si je peux, même de l'autre côté. Par là, ouais. Ça ferait trop. Ok, bah, ou juste derrière. Juste okay. Derrière. Voilà. Je suis là. Protège-moi. T'es venu, t'as fait pleuvoir les coups et t'es reparti. C'est maintenant à Odane de jouer. Et moi, je profite de ce corps à corps pour lancer une attaque furtive. Ouais. Et je me place au-dessus de sa tête. Ouais. Oh. Comme ça. Ouais, je vais te mettre là. Ça, même s'il est en l'air, ça peut donner avantage ou pas? Ouais. Et je vise sa gorge, enfin vraiment la nuque du dragon. La moelle épinière. Ouais, la moelle épinière, voilà. Allez, vas-y, on va se mettre histoire qu'il fasse un petit peu moins le malin. Ça fanfaronne. Vas-y. Donc, avec avantage, tu tires 2 dés. 13. Voilà, ça, c'est bien. Donc, 16 et 10, 26. 26, ça touche. Voilà. Et comme tu as utilisé l'avantage, tu as le droit à ta sneak attack, donc c'est 4 dés de 6. Plus 7. 4. Plus 7. Plus 7, oui. Mais carrément. Ma confiance. Plus... Alors, 5 et 3, 8 et 3, 11 et 2, 13, 13 et 7, 20. Et ça lui sera fatal. Oh là là, joli. Alors la flèche... Je te laisse décrire. La flèche transperce la gorge du dragon. Et moi, je fonds sur lui avec mes serres et j'arrache, en fait, à partir de la plaie, la tête entière et je la fais tomber au sol. Bon, bah, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est bon. Et le reste de son corps tombe, s'éclate dans l'étendue d'eau juste devant lui. Je pense qu'on aurait peut-être pu être amis, hein, en fait, à la base. Je suis pas sûr. Avec un bras vert. Je suis pas sûr. Ouais. Pour connaître un petit peu les légendes, vous savez que les dragons verts sont quand même des créatures très vicieuses et très traîtresses et pas très bénéfiques. Avec de l'acide, pas de l'amour. Tu vois. C'est vraiment pas des créatures très agréables. Ils sont pas très sympas. Non, mais c'est mon côté barde, peut-être que je ouais, sais pas. Tu es une amoureuse. Je suis une rêveuse, moi. Moi, j'aime la vie, quoi. Très, très beau. Et je regarde mes amis essoufflés et heureux qu'ils soient en vie et je les remercie du regard. On a eu un dragon. Mais surtout, on a un cristal à mettre dans cette source. Ah, tu penses qu'on peut la purifier ici? Bah ouais, je pense qu'on est à la source en fait. Eh oui, je crois que t'as raison. Il y a de l'eau dans le cratère ou pas d'ailleurs? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'y étais, c'est plutôt sec. Et tu fais quoi avec le... Bah du coup en fait, je vais immerger le cristal dans l'eau. Dans l'eau? Dans le cratère. Ouais, je mets le cristal dans le cratère, pardon. D'accord. Alors que tu t'approches, c'est toi qui l'avais le cristal. Ouais. Alors que tu t'approches, le cristal qui était ça, tu t'approches, tu le tiens dans ta main. Et plus tu t'approches, plus il grandit. Il ne devient pas plus lourd, juste il grandit. Jusqu'à être à la bonne échelle. Ouais. Et tu l'enchasses comme ça. Oh, c'est satisfaisant. Ouais. Ah, j'adore. Dans le cratère. Et vous sentez une énergie qui commence à lointaine au début. Quelque chose de sourd, et au fur et à mesure, comme un bourdonnement. Mais un bourdonnement réconfortant, quelque chose qui vous redonne foi en la vie, en l'énergie. Vous sentez un petit peu renouveler la confiance que vous avez en vos compagnons, l'ordre des choses. Vous traversez des épreuves, mais c'est ce qui doit se faire. Et vous sentez comme un bouillonnement au centre de ce cratère. Et soudainement, vous voyez que ça s'illumine. Oh. Wow. Et l'eau, aux alentours, passe de cette teinte vert presque fluo, instantanément, dans ce rose lumineux, et vous sentez une pulsation magique dans le cœur qui est au milieu de ce cratère. Juste après ça, vous entendez des voix. Il y a quelqu'un ? C'était une voix de femme.
Vous êtes encore vivant ? Une voix d'homme. Plus que vivant, le dragon est mort. C'est pas vrai ! Vous entendez que les voix viennent d'un petit peu plus loin, là, dans la caverne. Voilà, du coup, je vais voir. Ouais, moi aussi, je l'accompagne. Très bien. Vous vous avancez. On est là. Et vous reconnaissez Enis, la chef du village, des elfes. Et toi, Elish, tu fais tomber ta flûte au sol. T'as le souffle coupé. Les mains moites. Kyle, ton père, est juste en face de toi. Mais oui, c'est vrai qu'on n'avait pas précisé ça, que Kyle avait disparu. Le barde ducal, oui. Ton papa. Oui, je l'adore. Et qui te regarde, qui fait... Donc c'est un monsieur un peu bonhomme, et là, il a les traits tirés, il a l'air fatigué, il a l'air d'avoir peut-être renoncé à la vie. Et là, ils sont toujours attachés, ils sont attachés au mur de la grotte, par des chaînes. Ils sont là, ma fille Elish, t'es venue me chercher. Et il a les larmes qui commencent à couler sur le visage. Oh, je savais que t'étais une héroïne. Je savais, j'ai toujours su. Là, je deviens rouge. Du coup, j'utilise mes deux bras astro qui sont toujours actifs pour arracher les chaînes. Dans un tintement qui retentit dans les grottes. Les chaînes s'éclatent. Il y a une troisième personne que vous ne connaissez pas. La pauvre. Ouais. C'est quoi son nom? Donne-moi une seconde. Non mais je voulais terminer à l'heure, mais on me pose des questions. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Pourquoi tu nous mets une troisième personne si c'est pour pas avoir de nom? Allez. Roisin. Très Roisin. Beau prénom. Okay. C'est un très beau prénom. C'est une humaine. Moi, je viens la voir, je la détache. Et je lui dis salut. Non, je fais pas ça, je suis trop timide, il est trop timide. Parce que je suis trop timide. Moi, je me jette dans les bras de mon père. Oh, ma fille, Ellie, il te fait le plus gros câlin que tu aies pu ressentir de ta vie. Et tu sens tout le désespoir qu'il avait envahi. Et il est vraiment en larmes. Tu sens ton épaule se couvrir des larmes de ton papa que tu retrouves enfin. Je suis si fier de toi. Merci. Oh, Sheila, tu l'as accompagné, bien sûr. Oh, ça me fait trop plaisir de vous voir. Merci d'être venu nous secourir. Qui vous a attaché? Est-ce qu'on se boirait pas un petit verre? C'est moi qui ai la bouteille. Ouais. Ah ouais. C'est une bonne idée, je crois. Ce sont ces terribles gobelins là, qui nous ont... Ils nous ont tous emmené et attaché et offert en pâture à cette créature. Si vous voulez, il y en a un derrière, devant. Si vous voulez vous venger, on vous en a laissé un. Ah oui, c'est vrai, il est toujours sur son arbre. Il pourrait peut-être transmettre un message. C'est vrai. Pour raconter aux autres. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais sortir, je vais aller voir le hobgoblin qu'on avait attaché, je vais le détacher. Ouais. Et je vais lui dire maintenant, tu vas raconter à tous tes amis que cette contrée est sous la protection des protecteurs de Moïne. La prochaine fois qu'on vous revoit, vous êtes tous morts. C'est vrai. Et vous me laissez partir, là? Si tu veux transmettre un message. Ah oui. Il faut toujours un survivant. D'accord. Allez, vas-y. File. Moi, je vais... Il part comme une flèche. Je vais m'isoler un petit peu. Vous savez toujours que les effusions d'émotions, ça me met mal à l'aise. Et donc, je vais partir et je me mets sur un arbre et je regarde le soleil se lever. Très bien. Ok. Et alors que le soleil est en train de se lever et que Aodan est en train de l'observer en reprenant ses esprits, vous avez certains frôlé la mort. Et il y a la troisième personne, Roisin, qui s'approche de vous trois. Vous êtes rassemblés avec Kyle. Et qui vous dit... Merci pour tout ce que vous avez fait et je dois dire que je suis impressionné. Vous avez été capable de vaincre un dragon, une créature de légende. C'est vraiment merveilleux, vous avez des capacités hors du commun. Vous avez déjà entendu parler du Concord Sub? Non, mais vous allez nous raconter ça? Non. Volontiers. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Bravo à toutes et à tous. Oui. Bravo Lucien. Bravo Lucien.
Merci Lucien. Merci. Merci à vous, merci à vous. Bon, ah, on a fini. Je comptais finir à minuit, il est minuit 6. On a dépassé un tout petit peu. On a le quart d'heure. Un dragon. Quand on a tué un dragon. Mais vous avez tué un dragon. Un dragon, c'est bon quoi. Ah, c'était trop bien. Oh, mon premier dragon. Ah bah c'est toujours quelque chose hein. Tu sais que moi bon j'ai pas été souvent joueur hein. Mais j'ai jamais pu tuer de dragon. C'est vrai. Merci. J'ai quelque chose pour vous toutes et tous autour de la table pour vous remercier d'être venus et de nous avoir accompagnés. Une dent de Hobgoblin. Non c'est pas du tout une dent de Hobgoblin, mais j'ai quelque chose pour vous. De la part de Wizards of the Coast. Oh, oh non. Parce que nous faisons la D&D Celebration, c'est très lourd. Et Wizards of the Coast oh my God. Vous offre à toutes et à tous le fameux triptyque. Non. Avec Dungeon Master Guide, Monster Manual et Player Handbook. Si certains d'entre vous autour de la table n'avaient jamais joué à Donjons et Dragons et peut-être que vous aurez envie de jouer avec vos amis et vos familles, et ben vous serez en mesure de le faire puisque vous avez vraiment maintenant tout ce qu'il faut, les nouvelles éditions, les nouvelles traductions offertes gracieusement par Wizard of the Coast. Merci. Je vais pouvoir te rendre les miens. Tu vas pouvoir me rendre les miens, Lisa. C'est très gentil. Je vous donne la suite tout à l'heure parce que c'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu lourd. Et donc manipuler. Ça, c'est pour être MJ, c'est pour... C'est pour jouer. En fait, le Player Handbook te sert à savoir tout ce qu'il te faut pour créer et jouer ton personnage, en tout cas avec vraiment des règles très très complètes. Et évidemment, il y a toujours des compléments, ouais. Mais vraiment, tu as tout ce dont tu as besoin. Le Dungeon Master's Guide, c'est pour t'aider à être justement MJ, à créer une campagne, et etc. Et il y a des listes d'objets magiques, il y a tout un tas de conseils et de ressources très intéressantes. Et le manuel Monster Manual, comme son nom l'indique, c'est le manuel des monstres, donc c'est toutes les créatures qu'on peut... Bah, vous pourrez le feuilleter et voir le dragon vert. Trop bien, le très beau livre. C'était un... Ouais. Je les aime trop. Voilà, merci beaucoup Wizards of the Coast. Merci à vous, franchement. Je vais nommer Leslie Michelet, qui est notre contact avec Wizards of the Coast et qui nous a fait confiance et qui nous a donné à nous la mission de célébrer Donjons et Dragons en France, parce que c'est la première année qu'on célèbre Donjons et Dragons en France. Ça existe aux États-Unis, bien sûr, en Angleterre, etc., etc. Mais la France, c'est la première année qu'on fait ça. Et je suis très heureux, honoré et fier que ce soit dans la bonne auberge qu'on fasse ça. Donc merci beaucoup, Leslie et Wizard of the Coast, de nous avoir fait confiance et de nous avoir accompagnés. Merci à tous les quatre d'avoir été là. Merci à toi. Vraiment, merci. Vous avez été extraordinaire. Et de voir cette belle énergie, vous étiez un vrai groupe, quoi. Ah, alors que vous aviez jamais joué ensemble et c'était magnifique. Et puis on se connaissait pas. C'était vraiment une belle cohésion. Vous pouvez être fiers de vous parce que moi je le suis. Ouais. C'est vraiment très très cool. Bah, je vais faire rapidement des remerciements à l'équipe parce que je vais essayer de n'oublier personne. Merci à Maxime à la réalisation, des équipes Gozulting qui a fait un travail super. Merci à Victor et Yamato, Valentin, qui nous ont accompagnés aussi chez Gozulting. Merci aux deux Flo, Florian et Florent, qui s'occupent du son et de la lumière, qui ont été fantastiques ce soir et qui nous ont fait des trucs vraiment aux petits oignons, comme qui dirait. Je voudrais remercier Max Mammouth, mon frère, qui est en coulisses et qui nous a aidés et qui a donné des conseils à tout le monde autour de la table pour essayer de prendre en main plus aisément et plus efficacement leur personnage, voilà, et qui est en coulisses et qui m'envoie parfois des messages en disant non, c'est plus 7 les dommages sur l'attaque de Nico. Voilà, donc vraiment merci beaucoup Max, t'es toujours le meilleur soutien. Voilà, je vais pas me remercier toute la famille, les amis, mais vous savez que je pense à vous. Gros bisous à Amy LTR qui, je sais, aurait voulu être là et elle a pas pu, et si elle avait pu, elle l'aurait fait. Donc vraiment gros bisous à elle, gros et si bisous, vous êtes des fans d'Amy, bah vous avez raison parce qu'elle est super. Et merci d'être venu nous voir. Et il me reste à remercier Dorian, qui est la chef déco. Si on bosse dans un bel environnement comme ça, c'est grâce à Dorian. Ouais, merci à JB, qui est vraiment l'homme qui a le plus de casquettes que je connaisse, puisqu'il aide au montage des décors. Il réalise en partie les cadres et les beaux plans qu'on fait. Et ensuite, il fait les montages, etc. JB, c'est vraiment... Et il m'aide aussi pour peindre des figurines. Bref. Voilà, sans JB, on aurait beaucoup plus de mal. Et je termine, enfin, pardon, c'est un petit peu long, mais par Damien Maric, qui en a bavé des ronds de chapeau pour
créé tout ça avec moi, tous les deux. Je pense qu'on va faire une syncope dans une heure. Mais voilà, merci Damien. Merci Damien. Merci. Ouais. Mais c'était pas pour rien. Et voilà, moi je suis très content. Je rajoute juste un remerciement à Julien Mindel aussi. Bien sûr, tu as raison. Julien Mindel, qui est un peintre de figurines d'énorme talent. Et donc vous pouvez retrouver sur Instagram. C'est sûrement spammé dans le chat, mais allez voir ce qu'il fait. Et merci à lui et à Gerio d'avoir notamment peint le dragon vert, qui est absolument magnifique. Voilà, je peux pas remercier absolument tout le monde, mais si vous voulez passer un message... Un merci à Lucien, parce que je suis faillotte. Et, mais non, mais c'est vrai, l'histoire, je sais à quel point c'est long de préparer un truc, c'est trop bien. Et c'est trop bien, tout, depuis les confinés, depuis tout, c'est trop bien. Bon, je suis trop contente. Bah, j'ai battu un dragon, les gars. Je peux te dire que Max, justement, en coulisses, il est très jaloux. Non, Max, je suis désolée. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, il m'a dit... pourquoi j'ai pas un dragon, moi, à taper Je comprends. En guerrier, en plus, incroyable. Voilà. Franchement, j'ai eu peur après le souffle. Je me suis dit, ouf. Heureusement qu'il y a une canny dodge. Heureusement que t'as réussi ton jet de sauvegarde de constitution parce que c'est très très fort. Hein. Ah là là, c'est la première fois que j'utilise. Moi, j'ai cru qu'on allait tous y passer, mais en une attaque. Moi aussi, je me suis dit, qu'est-ce qui nous prépare à notre mort. Il se renverse vite en fait. Ça aurait pu, ça aurait pu. Merci à toute l'équipe de Gozulting aussi parce que l'accueil était exceptionnel. Vraiment, merci à tous. Voilà. Parce que nous, on est invités et on n'a pas l'habitude de venir et on a été choyés. C'est clair. Ça fait plaisir, je suis très content. Vous êtes toutes et tous. Lisa, c'est une habituée, mais vraiment, l'invitation est lancée. Vous revenez quand vous avez envie, on s'organise. Il ne faudra pas me le dire deux fois. Eh ben, clairement. C'était ta première partie, du coup. Ma première partie depuis très 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 longtemps, mais dans ces conditions-là, en tout cas, c'est sûr, c'était ma première. Ouais. Et moi, j'ai adoré. Je suis presque ému même d'avoir fait ça. Vraiment, c'était génial. Je suis content. Cool. J'ai kiffé vraiment de ouf, comme disent les genoux, quoi. c'était génial. Quoi c'était génial. À un moment donné, j'étais à fond, quoi. Je t'écoutais, j'étais là à me dire comment on va s'en sortir. J'étais hyper triste. Tout le monde était à l'agonie et tout. On savait pas ce qui allait se passer, quoi. Non, c'était trop bien. Trop bien. Bravo. Les émotions, hein. Bravo pour la narration, parce que quel boulot d'incarner tous les persos, que ce soit marrant, que ce soit en plus prenant et tout. C'est balèze. Merci Trinity de nous avoir host. C'est bon, je pense à tous les Ah oui, c'est vrai, tu nous as host sur ta chaîne. C'est pas négligeable. À la communauté, aux gens de Twitch qui sont là. Et merci. Et on m'a dit pendant la pause que vous avez fait encore une fois la générosité, les gift subs, vous avez envoyé les trains de l'hype dans des couches stratosphériques. Merci. merci beaucoup aux aubergines, c'est la communauté qui nous soutiennent à mort et qui ont fait de gros efforts sur les réseaux sociaux pour parler de nous, pour essayer de d'étendre l'influence de la bonne auberge. Et merci, vous êtes vraiment en tout cas la plus belle communauté que je puisse imaginez, vraiment, on vous aime très fort et merci beaucoup. Eh ben, on rend l'antenne là-dessus, je crois. Oui. C'est fini. Merci d'avoir suivi D&D Celebration avec nous dans la bonne auberge. Jusqu'ici, le dimanche, vous aviez le blues et maintenant, vous avez la bonne auberge. À bientôt.